Ça y est, c'est la fin de la saison. L'été commence et Podcast Science prend sa pause estivale. Pendant 2 mois, notre équipe va étudier l'aérodynamisme des corps dans l'eau de mer, investiguer les effets du soleil sur un dos post-confinement, tester pour vous l'effet des phases de la Lune sur le goût du pastis et vulgariser le système solaire à leurs petits cousins avec des boules de pétanque. Alors pour ne pas que vous vous ennuyez et que parce que vous allez avoir un peu de temps pour vous, on vous a préparé avant de partir une liste de recommandations. Des livres, des séries, des films, des BD, des podcasts bien sûr, et même des expos à voir, à lire et à écouter cet été. Nous sommes le 7 juillet 2021, vous écoutez l'épisode 454, dernier épisode de la saison 11, bienvenue sur Podcast Science. Alors, ce soir, c'est une émission un peu particulière. On s'est tous retrouvés pour vous donner des recommandations. Donc, moi-même, Johan, depuis Paris. Pascal, depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Cléora, depuis Perduville. Salut, salut. Et Léa, depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Alexa, depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et Irène, depuis Bastia. Du coup, on va commencer... Mais j'ai pas été cité, t'as pas laissé Irène dire bonjour. Bah ouais, oh. Pardon. Bonsoir tout le monde. Et Pierre, depuis Paris. Bonsoir tout le monde. J'ai essayé d'un œil quand même. Bien qu'il est sa marinière, il est toujours à Paris. très bien, bah, du coup, on va commencer, donc ça va être, si je suis à peu près le conducteur, livres, magazines, BD, séries, podcasts, films, chaîne YouTube, expo, bref, plein de trucs. Et donc on commence tout de suite par les livres, et Topo voulait nous faire un petit rappel des livres recommandés durant la saison, les gens que nous avons invités cette année, les auteurs. En effet, parce que à chaque fois qu'on interview des personnes, on se s'enquiert sur leur production livresque. Et donc, cette saison, encore une fois, a été riche en invités qui ont présenté leurs livres. On commence par Gilles Mito, alias Eureka, donc, qui était l'invité de Tup lors de l'émission 423, qui nous parlait d'économie, et qui a sorti un livre qui s'appelle « Tout sur l'économie, ou presque ». J'ai eu le plaisir avec Johan d'interviewer Julien Bobroff qui nous a présenté son livre La Quantique Autrement et ce sera ma recommandation livre principal dans cette rubrique puisque c'était vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. On l'avait interviewé dans l'épisode 429 qu'on avait surnommé Le Quantique des Quantiques avec Julien Bobroff. C'est Eléa ensuite qui a interviewé Michel Chauvet et qui nous a présenté notamment dans son interview lors de l'émission 439 l'encyclopédie des plantes alimentaires. Donc si vous voulez ne pas mourir crevé un été en mangeant une plante, peut-être profitez-en pour vous enquérir de ce livre. Et pour finir, on a eu aussi le plaisir d'écouter Niels Barellon, qui était déjà venu une autre fois nous parler sur Podcast Science, mais cette saison-là, il est venu pour l'épisode 444 sur la chute des corps, nous parler de son polar scientifique, vol AF-747 pour Tokyo. Très bien, bah merci. Pour continuer sur les livres, je comptais du coup faire ma première recommandation, moi, d'un livre. Alors, c'est une auteure que j'aime beaucoup, dont j'ai lu déjà 3 livres, je crois, qui s'appelle Svetlana Alexievitch. Qui est prix Nobel de littérature d'ailleurs, pour mettre un peu la pression aux autres sur leurs recommandations. Et en fait, c'est assez particulier la façon dont elle fait des livres. En fait, elle écrit très peu. En fait, c'est énormément d'interviews, de des témoignages. On entend très rarement ça. Enfin, elle écrit très rarement ses propres phrases. Et elle fait témoigner des Russes principalement sur les épreuves qu'ils ont traversées dans leur vie. Et donc, par exemple, j'avais beaucoup aimé La guerre n'a pas un visage de femme, où elle a interviewé dans les années 80 des femmes qui ont vécu la guerre que les Russes appellent la Grande Guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, et qu'est-ce que ça faisait pour elles, spécifiquement en tant que femme. Et aussi, il y a eu La fin de l'homme rouge, qui interrogeait des Russes dans les années 90 et 2000 sur la fin de l'URSS.
et qu'est-ce que ça changeait pour eux. Et c'est souvent très très intéressant. Il y a beaucoup de témoignages de toutes les classes sociales, de tous les métiers, de tous les voilà. Donc c'est très intéressant. Et je comptais du coup vous parler de son livre dont on a pas mal entendu parler, qui s'appelle La Supplication, parce qu'en fait c'est à partir de ça qu'a été fait la série sur HBO sur Tchernobyl. Donc vous avez peut-être entendu parler de voilà, et en fait la supplication, en fait c'est beaucoup des personnages en fait sont créés à partir des témoignages de ce livre. Du coup c'est assez dur à lire forcément, hein, c'est que des chroniques de gens qui ont vécu de près ou de loin de Tchernobyl, soit des gens qui habitaient vraiment tout près, soit des ingénieurs, des médecins, des liquidateurs, etc., etc. J'imagine que tu fais une recommandation aussi pour cette mini-série. Je recommande aussi effectivement Tchernobyl si vous l'avez pas vu, c'est très chouette effectivement. Mais alors c'est pas j'ai lu le livre en anglais donc j'avais pas tilté sur le titre en fait, mais je recommande aussi chaudement ce livre. Et pour Tchernobyl aussi, je recommande un documentaire qui date de quelques années déjà, qui se trouve d'ailleurs sur YouTube, qui s'appelle La bataille de Tchernobyl. Si vous voulez aussi des interviews de liquidateurs, une analyse à la fois politique et scientifique de la catastrophe, c'est un excellent documentaire qui complète, je pense, la série et ce livre. Du coup, je vais vous en lire un extrait, une petite page. Voilà. Ce jour-là, je me suis présenté à mon poste de chef de laboratoire de l'Institut de l'énergie nucléaire de l'Académie des sciences de Biélorussie. Notre institut se trouve à la campagne, dans la forêt, et le temps était merveilleux. Le printemps. L'air était pur et frais. Je me suis étonné de voir que les mésanges que j'avais apprivoisées pendant l'hiver, en accrochant des morceaux de saucisson à une lucarne, n'étaient pas là. Avaient-elles trouvé une meilleure nourriture ailleurs? À mon arrivée, un vent de panique régnait autour de notre réacteur à nous. Les dosimètres montraient une aggravation de l'activité. Sur le filtre à air, elles avaient augmenté de 200 fois. La dose à l'entrée des bâtiments était de près de 3 millitrongènes par heure. C'était très grave. Cela représente la limite admise dans les locaux soumis à l'irradiation pour une durée de travail ne dépassant pas 6 heures. Une première idée nous est venue. L'enveloppe de l'un des éléments calorifères avait perdu son échantillonnité dans la zone active. Nous avons vérifié, tout était normal. Il était également possible qu'un conteneur eût été endommagé pendant un transport au laboratoire radiochimique. Mais dans ce cas, allez donc nettoyer l'asphalte. De plus, on annonçait par les haut-parleurs intérieurs qu'il ne fallait pas quitter les bâtiments. La cour s'est vidée aussitôt, plus personne, c'était effrayant. Les dosimétristes ont contrôlé mon bureau, ma table, mes vêtements, les murs, tout luisait. Je me suis levé, je n'avais pas envie de rester assis sur une chaise. Y avait-il un accident à l'institut, une fuite, et comment tout désactiver? Un vrai casse-tête. J'ai toujours été tellement fier de notre réacteur, j'en connaissais chaque millimètre. Nous avons téléphoné à la centrale d'Ignalina, en Lituanie, non loin de chez nous. Chez eux aussi, c'était la panique. Nous avons également appelé Tchernobyl, mais personne ne répondait. Vers midi, les choses se sont précisées. Un nuage radioactif couvrait tout Minsk. Nous avons pu déterminer qu'il s'agissait d'iode, un accident dans un réacteur. Ma première réaction a été d'appeler ma femme et de l'avertir, mais tous les téléphones de l'institut étaient sur écoute. Oh, cette peur éternelle que l'on nous a inculquée pendant des décennies, et les miens qui ignoraient tout. Ma fille, après ses cours au conservatoire, se promenait en ville avec des amis. Elle mangeait des glaces. Téléphoner pouvait m'attirer des problèmes, me valoir le retrait de mon habilitation au secret. Mais je n'ai pas pu me retenir et j'ai décroché le téléphone. Écoute-moi attentivement. « Mais de quoi parles-tu ? » m'a demandé ma femme, tout fort. « Parle plus bas. Ferme les fenêtres, mets tous les aliments dans des sacs de plastique, mets des gants de caoutchouc et essuie tout ce que tu peux avec un chiffon humide. Lave le plancher. Enveloppe le chiffon et la serpillière dans un sac et jette-le. Remets au lavage le linge qui sèche sur le balcon. Qu'est-ce qu'il y a eu chez vous ? Chut ! Dilue 2 gouttes d'iode dans un verre d'eau, lave-toi les cheveux. Que ? Mais j'ai raccroché. Ma femme travaillait elle-même dans notre institut, elle avait dû comprendre. À 15h30, nous avons appris qu'il y avait eu un accident à la centrale de Tchernobyl. Le soir, pendant la demi-heure de trajet de retour à Minsk, dans l'autobus de service, nous avons gardé le silence ou parlé de sujets extérieurs. Nous avions peur de parler de ce qui venait de se passer. Chacun de nous avait en poche sa carte du parti. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très bien lu, très bien lu. On s'y croirait. On est dans l'ambiance tout de suite. Et du coup, on enchaîne sur Pascal, qui va nous parler de Expiration de Ted Chiang. Voilà, pour une fois, je vais parler un petit peu. Pour conseiller effectivement ce livre, alors tout le monde connaît pas forcément Ted Chiang, il écrit très peu. En 25 ans, il a écrit 16 nouvelles, c'est pas grand-chose. Il n'a pas eu de prix de Nobel, mais il a eu en 16 nouvelles 4 prix Hugo, 6 prix Locus, 4 Nebula, ce qui est quand même pas mal. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de tout ça. Il l'a fait
deux recueils de nouvelles. Le premier qui s'appelle La Tour de Babylone en français. Une de ces nouvelles est assez connue parce qu'il a été adapté au cinéma par Denis Villeneuve. C'est une nouvelle qui s'appelle L'Histoire de ta vie. Et le film s'appelle Premier Contact en français, Arrival en anglais. Je dois être une des seules personnes au monde qui n'ait pas trop aimé ce film. probablement parce que je l'ai lu peu après la nouvelle. Je l'ai vu peu après la nouvelle. Et là, c'est son deuxième recueil qui est sorti récemment, 2019, je crois, en anglais, 2020 en français. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le... Alors, le souci, c'est que pour vous en parler, un recueil, le problème avec une nouvelle, c'est qu'on spoil très vite. Donc, je vais pas beaucoup, beaucoup en parler. Je ne vais pas en lire un morceau parce que voilà. Bah, si. Mais si. Alors, parmi les nouvelles, il y a la nouvelle titre. Je vais quand même, puis vous donner le pitch de deux, trois nouvelles en passant, histoire de vous affamer. La nouvelle titre, donc Expiration, se passe dans un monde peuplé de robots pneumatiques. Donc, il y a à peu près que ça. C'est assez bizarre. Ça fait très, très steampunk. Et puis voilà, ils se rendent compte qu'il y a un problème avec les horloges, avec le temps qui passe. Et puis, si je vous en dis plus, je spoil beaucoup. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Le concept de la nouvelle, c'est que tu lis 15 lignes, t'as lu la nouvelle, quoi. Alors, quand même pas, il y a quelques pages, mais bon, voilà, c'est effectivement le souci avec la nouvelle. Mais c'est pas forcément celle-là qui m'a le plus marqué, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué dans ce livre. La première, c'est le cycle de vie des objets logiciels. Peut-être mon côté informaticien qui ressort, encore que. Ça se passe dans un monde un peu futuriste, mais pas trop lointain, où il y a une espèce de monde virtuel à la Second Life, pour ceux qui se souviennent, dans lequel quelqu'un développe des intelligences artificielles qui font office d'animaux de compagnie dans ce monde. Mais intelligence artificielle très intelligente. Et puis voilà, comme Second Life, le monde en question devient un petit peu obsolète, ça intéresse plus grand monde, il est déserté au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est ce qui se passe là-dedans, donc je vais pas vous en parler beaucoup plus, mais voilà, c'est super intéressant. Et l'autre nouvelle qui m'a, mais alors celle-là beaucoup, beaucoup marqué, le pitch déjà m'avait, dès les premières lignes, m'a tout de suite attrapé, se passe dans un monde où l'hypothèse créationniste est une vérité scientifique établie s'appuyant sur des preuves tangibles. Déjà, c'est assez particulier. Et puis il donne des vraies preuves. Il y en a même une qui a été traitée dans un épisode récent de Podcast Science, le 422, avec la dendrochronologie. Où effectivement, ils se rendent compte que sur de très très vieux arbres, au milieu du tronc, il y a plus de cernes. Parce que effectivement, les arbres ont été créés du jour au lendemain, il y a 6000 ans, et que du coup, bah, forcément, il n'y a pas de raison d'avoir des cernes. Donc voilà. C'était les deux nouvelles qui m'ont marqué. Alors, oui. Même chose, j'en parlerai pas plus, parce qu'une fois de plus, ça spoilerait trop. Mais sinon, il y a d'autres nouvelles. Une qui me rappelle furieusement le cycle des robots d'Asimov. Il y en a une qui traite du voyage dans le temps, mais pas futuriste, par contre, c'est original. La question du libre-arbitre est pas mal traitée, une nouvelle qui parle du paradoxe de Fermi, etc., etc. Alors, moi, c'est de la SF comme je l'aime, c'est pas forcément du grand spectacle, etc., etc. Mais ça fait réfléchir, enfin, il y a pas mal de sujets qui font réfléchir, notamment celles sur le qui traitent du libre-arbitre. Et puis, il y a pas mal de sujets qu'on a déjà vu passer à pas mal de reprises, qui sont pas forcément très originaux, mais il les traite d'une manière qui fait que ça fait cogiter. Et puis, ben, on y réfléchit dans les jours qui suivent la lecture. Donc voilà, si pour vous la SF c'est autre chose que des aventures spatiales ou des batailles de super-héros et que vous aimez le format court, courez lire ce recueil. Éventuellement le premier aussi, parce qu'il était très très bien également. Voilà. Moi, j'ai une recommandation pour les futurs épisodes de Podcast Science, c'est plus de Pascal. Ouais, moi je suis d'accord, moi. Moi aussi. Ouais. Si Pascal, t'es là d'accord avec cette affirmation, envoyez-nous des mails d'amour pendant l'été pour plus de Pascal. Eh bien, du coup, je propose d'enchaîner, oui, sur la trilogie martienne d'Alexa.
Ouais, voilà. Alors de Kim Stanley Robinson, je vais m'effacer devant ce monument. Mais du coup, j'aime bien la transition par rapport à ce que tu dis, Pascal, parce que la trilogie martienne, justement, même si on a le côté on va coloniser Mars, c'est quand même un livre qui est aussi pas de la science-fiction, space opéra, quoi. C'est pas des super-héros, c'est pas des choses comme ça. C'est vraiment un roman, donc qui est, comme son nom l'indique, une trilogie qui s'appelle, donc le premier roman s'appelle Mars la Rouge. Ensuite, on a Mars la Verse et Mars la Bleue, qui retrace l'idée de la colonisation de Mars, mais pas uniquement. On ne parle pas uniquement de coloniser Mars, terraformer Mars, etc. C'est un roman qui pourrait plaire à énormément de monde, qui pourrait plaire à des sociologues, qui pourrait plaire à des gens qui aiment la politique, qui pourrait plaire à des scientifiques, qui pourrait plaire à tant de choses, parce que c'est un roman qui se passe dans un futur proche. Il a été écrit dans les années 90 et il se situerait à peu près en 2025, je crois. Donc on y est quasiment, hein. Et il raconte l'histoire de 100 premiers scientifiques qui partent sur Mars, qui quittent la Terre, du réchauffement climatique de la Terre qui fait que Mars est une planète acceptable, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très réel, et de tous les problèmes qui viennent suite à la colonisation d'une nouvelle planète, d'abord par les scientifiques, d'abord par plus de monde, et plus de monde, et plus de monde. Les problèmes politiques sur la Terre, les problèmes politiques sur Mars, des questions d'utopie, des questions de fonder une nouvelle société sur d'autres planètes. Donc c'est un roman qui est... je pense qu'on peut dire un roman d'anticipation aussi. Enfin, il y a énormément de choses et je voulais le rappeler aujourd'hui, même si c'est un roman qui est assez ancien, pas uniquement parce qu'il a lui aussi gagné les prix Nebula, Hugo, etc., mais parce que c'est un roman que je trouve extraordinairement actuel. Quand on le lit aujourd'hui, même si la science est un peu datée parfois, forcément, on se retrouve sur des problématiques qui nous arrivent exactement actuellement. Donc c'est vraiment un monument, je trouve, de la hard science fiction qui est vraiment à lire. Et Kim Stanley Robinson a écrit d'autres livres depuis et il a d'ailleurs été interviewé très très récemment par Nicolas Martin dans La Méthode Scientifique. Pareil, un épisode que je recommande où il parle de la trilogie martienne, il parle de pourquoi il a écrit la trilogie martienne et comment sa vie a changé après ça aussi. Mais il parle vraiment de beaucoup de choses derrière ce roman. Donc voilà, c'est un roman très actuel que je conseille à tout le monde. Je crois que Johan l'a lu aussi, si tu veux donner ton avis là-dessus. Je sais pas si elle finir. D'accord. Ah non, mais si, c'est parfait, ça. J'avoue que je suis pas un méga fan de hard SF. Je me suis typiquement ennuyé sur The Martian, qui est très, truc très technique, etc. Souvent, m'ennuie un petit peu. C'est vrai que j'aime bien la SF un peu plus... peut-être un peu, enfin oui, moins réaliste et plus space opéra. Oui, faut pas forcément space opéra, mais moins réaliste, ouais, effectivement. J'ai pas très envie d'avoir trop de physique dans mes lectures. Ça tire à balles réelles ici. Pardon. Donc pour accouper mon tâche, tu m'as un peu embusqué. Mais non, mais moi je trouve ça vachement bien parce que finalement tu donnes une forme d'avis, quoi. Parce que moi, on me l'a recommandé, hein, la trilogie de Mars. On m'a dit que c'était super. Hein. Alors moi j'ai beaucoup de mal à pas penser à la trilogie martienne quand je vois SpaceX ou Amazon qui lance Blue Origin, c'est assez terrible. Alors effectivement, on va pas trop spoiler, mais moi justement une des choses qui fait que je trouve que c'est très très actuel, c'est qu'en gros dans la trilogie martienne, on a l'impact de ces grandes entreprises multimilliardaires qui finalement prennent un peu le pas, la force politique sur les États. Et quand on pense à SpaceX et Amazon, effectivement c'est... Ouais, c'est dur de pas y penser. Et ça montre à quel point c'est actuel. Et c'est pas optimiste, du coup, j'imagine. Non. mais c'est pas non plus l'apocalypse, la trilogie martienne. Enfin, un peu du point de vue du climat de la Terre, mais il y a quand même toujours... c'est très réaliste, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'apocalypse ou génial. C'est un entre-deux. Deux recommandations qui se suivent. L'une que Laura a mis sur la chatroom, c'est un grand entretien sur la méthode scientifique, visiblement, qui a parlé de cette trilogie de Kim Stanley Robinson. Et la deuxième, c'est une vidéo qui est sortie là tout juste de Kurzgesagt ou In a Nutshell, dans lequel il parle de terraformation, mais non pas de Mars, mais de Vénus, et il montre, dans une petite vidéo dont je partagerai le lien, justement, comment on pourrait, en quelques milliers d'années, terraformer une planète de manière réaliste, et c'est assez étonnant, en fait, les solutions qu'il faudrait déployer pour pouvoir le faire, quoi.
Très bien, et ben donc on passe à Eléa, je crois que tu avais une recommandation en livre. Effectivement, alors moi je vais recommander un des rares livres que j'ai eu le temps de lire pour le fun cette année, parce que cette année a été quand même un peu intense, mais c'est un livre qui s'appelle Sous la forêt de Francis Martin. Donc Francis Martin, c'est un chercheur à l'INRA à Nancy. Et il a écrit un livre du coup sur les interactions entre les champignons et les arbres. Donc si vous avez aimé des livres comme Jamais seul de Marc-André Sellos, vous aimerez probablement Francis Martin. Et si vous voulez en savoir un peu plus, on a fait un booktube sur la plateforme Écoscience, donc c'est un site qui compile des informations de vulgarisation scientifique dans les régions. Et il y a une petite vidéo du coup qui vous explique un peu l'intérêt du livre et pourquoi il est chouette. D'ailleurs, le format booktube, j'en profite pour glisser un petit mot, en fait, c'est un format standardisé qui avait été lancé par la Casemate à Grenoble, et du coup il y a des vulgarisateurs qui proposent de temps en temps leur lecture en expliquant en quoi c'est chouette. Donc si vous voulez retrouver plein de conseils lecture cet été, vous pouvez aussi vous renseigner sur ces formats là voilà. J'en profite pour faire une deuxième recommandation dans la foulée, puisque ça concerne aussi un peu la botanique, mais cette fois-ci pour les enfants. L'année dernière, j'ai acheté un petit outil qui s'appelle la pointeuse botanique. Alors ça consiste en quoi ? Normalement, quand on identifie des plantes, on utilise des gros bouquins chiants avec ce qu'on appelle des clés de détermination, où il y a plein de vocabulaire et puis on doit chercher le nom d'une plante de façon très très longue et très laborieuse quand on n'a pas l'habitude. Et du coup, là, c'est une version pour enfants. Donc, ce sont des cartes qui ont des points qui sont ponctués comme ça avec des critères botaniques. Et du coup, si vous superposez la pile de cartes et que vous mettez un petit bâton dedans selon les critères, par exemple, la fleur est blanche, la fleur est bleue, etc. Et ben, vous pouvez tirer et sortir uniquement les cartes qui ont ce critère botanique. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois d'affilée pour identifier une plante de façon un peu mécanique, comme ça. Voilà, donc c'est pour des botanistes un peu avancés, ça ne vous servira à strictement rien puisqu'il n'y a que 100 plantes dedans. Mais pour des enfants, ça peut être très chouette pour apprendre à identifier les plantes. Voilà, donc si vous avez envie d'essayer ça cet été, pour les enfants, c'est un livre qui est disponible en librairie, enfin, c'est un support qui est disponible en librairie, qui a été créé par le CAUE de l'Essonne. Et voilà, c'est une association, c'est super bien. Pour découvrir les plantes. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est sympa comme suggestion, ça, pour les enfants. Moi aussi, j'ai des suggestions pour les enfants à la fin, je crois. Non, mais on a dit, faut pas couper. Qu'est-ce que tu vas dire avant? On a un comité éthique. À la demande générale de la chatroom en folie, Pascal est de retour pour sa deuxième. Ouais, Pascal. Alors, Johan, tu nous as dit que tu n'aimais pas la RDSF, que tu n'avais pas aimé The Martian, et du coup, vu que je suis un petit peu sadique, je vais recommander le troisième roman de l'auteur de The Martian, que j'ai lu il y a très peu de temps. Il est sorti en mai, il paraîtra en France le 6 octobre aux éditions Bragelonne, donc c'est vraiment tout neuf. Il s'appellera en français Le Projet Dernière Chance. Le titre en VO, c'est Project Hail Mary. Comme Seul sur Mars, c'est de la bonne SF qui tâche, ça en énerve certains, de la bonne hard SF qui tâche, pardon, ça en énerve certains, dont Johan, vous l'avez compris. Voilà, ça commence dans un homme se réveille, Ryland Grace, dans une espèce de salle très, très, avec peu d'espace. Il a aucun, il se souvient de rien, il se souvient plus de son nom, rien du tout. Il se rend compte assez rapidement que c'est un vaisseau spatial. Alors, vu que c'est du handiwork, qu'il aime bien faire plein d'expériences, montrer que la science s'écoule, il se rend compte que c'est un vaisseau spatial en utilisant un pendule pour mesurer la gravité et se rendre compte que c'est pas tout à fait la gravité terrestre, voilà. Et puis au fur et à mesure du livre, les souvenirs lui reviennent un peu, son nom, ce qui s'est passé avant, pourquoi il est là, et en fait pourquoi il est là, c'est qu'il est dans un vaisseau spatial qui a été envoyé vers Tosseti parce que la vie sur Terre est menacée par une menace exobiologique, histoire de spoiler un tout petit peu.
Et puis voilà, tout ce passage est super intéressant. On voit comment la menace est apparue, voilà. Mais c'est pas tant le sujet du livre. Le sujet vient après. Mais je vais pas en parler plus parce que une fois de plus, j'aime pas le spoil. Et puis c'est un truc qui est pas tout à fait spoilé même dans le quatrième de couverture. Donc voilà, c'est vraiment bien, c'est passionnant, c'est comme Seul sur Mars. Il y a pas mal de suspense, tout se passe très vite, il y a pas mal d'action. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et puis en plus, il y a un petit lien avec une nouvelle de Tetchian, histoire de reboucler sur ma première recommandation. Voilà. Tout est lié, n'est-ce pas? Bah, j'attendrai l'adaptation au ciné, je crois. D'ailleurs, effectivement, elle est prévue, l'adaptation au ciné, qui devrait arriver très très rapidement. Matt Damon. Non, pas cette fois. Ryan Gosling. Merci. Oh, voilà. Ah ouais. Incroyable. Waouh. Joli. Je l'ai cherché sur IMDb. Bah, j'espère que c'est pas un personnage qui a beaucoup d'expressions de visage, parce que sinon c'est foutu avec Ryan Gosling quand même. Ça va, c'est pour Très bien, et ben on va finir alors. Attends, Joanne, j'avais juste une petite recommandation à faire pour ceux qui veulent en savoir plus et qui aiment écouter des podcasts anglo-saxons. Et j'avais écouté justement un podcast sur Andy Weir, et notamment il parle du projet Hail Mary. Un podcast que j'aime beaucoup, il s'appelle Imaginary Worlds. C'est l'épisode 172, Weir Science. Et dedans, justement, il révèle que certes, dans la quatrième couverture, il n'y a pas de spoiler, mais qu'il a obtenu une recommandation de J.R.R. Martin, le gars qui a fait Game of Thrones, dans lequel la recommandation contient un spoiler majeur. donc, si vous achetez le livre et que vous voulez pas vous spoiler, vous pouvez lire la quatrième de couverture, mais ne lisez certainement pas les recommandations parce qu'il y a justement ce spoiler. Alors, j'ai d'ailleurs commencé à lire suite à cette interview de Andy Weir. Voilà. Ah. Ouais, c'est très intéressant, justement. Ça parle de hard science et comment il écrit alors que le gars, il se considérait pas du tout comme un auteur, quoi. Un auteur, même de science-fiction. Et donc, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et d'ailleurs, ce podcast est recommandé de façon générale. Tout à fait. Et donc, on va finir avec Alexa et Irène, je crois, qui avaient des recommandations encore et aussi. Oui, alors, du coup, aucune transition. Pour le coup, c'est absolument pas de la science, les deux. Quoique, un, c'est de la cuisine, donc on peut considérer que la cuisine, c'est un peu de la science, c'est un peu comme faire des manips, mais bref. Donc j'ai deux recommandations qui ne sont pas de la science. La première, c'est le livre du podcast, le livre Entre nos lèvres, tiré du podcast éponyme de Margot Roll et Céline Malveau. Vous avez déjà parlé de ce podcast l'année dernière, il me semble, avec Joanne. C'est un podcast qui interviewe des femmes et des hommes sur leur sexualité, de manière très comme une conversation, et qui en fait permet de se rendre compte des pratiques, de faire sauter pas mal de tabous. Et donc c'est un podcast qu'on aime beaucoup parce que il est vraiment très il permet de libérer la parole sur pas mal de choses qui sont pas forcément faciles, et le livre donc est tiré du podcast mais rajoute aussi d'autres interviews, et il est construit comme plusieurs étapes qu'on peut avoir par rapport, et plusieurs questionnements qu'on peut avoir par rapport à la sexualité et les vécus de certaines personnes. Et voilà, du coup moi j'ai beaucoup aimé ce livre, qui est aussi pas seulement juste un livre de poche, c'est un livre grand format avec une couverture dure, etc. Donc il est aussi c'est aussi un bel objet. Et donc, si ce genre de sujet vous intéresse, allez-y. Je pense notamment, moi, c'est typiquement un livre que j'aurais bien aimé lire quand j'étais ado, par exemple, que j'avais 16-17 ans et que j'avais peut-être une vision complètement déformée de la sexualité et de tout ça par rapport à pas mal de médias ou d'histoires qu'on consomme à cet âge-là. Donc, ça, c'est ma première recommandation hors science. Et la deuxième, alors on passe encore complètement du coq à l'âne, c'est un livre qui s'appelle « Terrine, rillettes, saucissons et pâte et croûte » de Gilles et Nicolas Véraud. Alors, comment j'en suis venue à lire ce livre et à l'acheter, qui est un livre de recettes? C'est parce que quand on vit à l'étranger et qu'on cherche des produits, on va dire, du terroir français un peu classique, on n'en trouve pas nécessairement. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de pâter, j'ai envie d'en faire, ça doit pas être si compliqué.
Et voilà, donc j'ai commencé à chercher des recettes, j'en ai fait. Et un peu plus tard, on m'a offert ce livre en disant, là, il y en aura encore plus. Et je le conseille vraiment, parce que si comme moi, vous vous étiez toujours dit que c'était quelque chose de compliqué à faire et que c'était impossible, etc., c'est un livre qui a été fait donc par deux, je pense on peut dire, chefs qui proposent des recettes qui sont faisables à la maison avec ce qu'on a et qui sont adaptables. Voilà, si vous avez envie de tenter plein de pâtés en croûte, de rillettes, de terrines différentes, je ne veux que conseiller ce livre, parce que parfois c'est bien de se faire du bien de cette façon-là aussi. Écoute, on est passé de saucisse à saucisse, donc tout va bien. Exactement. C'est ça la transition parfaite. Excellent. Et Irène, bah du coup, je te tends la main, transition ou pas. Bon, alors, il n'y a absolument aucune transition, et en plus je n'ai rien préparé, donc ça va être vraiment sans filet. Alors, pour vous parler de bouquins que j'aime beaucoup, que je vous recommande, alors moi je suis une grosse fan de Sylvain Tesson. Donc là, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle L'énergie vagabonde, qui regroupe une grande partie de ses bouquins. Et donc c'est super. Enfin, Sylvain Tesson, moi j'aime beaucoup parce que j'adhère beaucoup au mode de pensée de cet homme-là. Et ses récits de voyage, je les trouve passionnants parce que d'abord il écrit vraiment très très bien, il a une plume superbe. Et ensuite, il est quand même géographe de formation, donc il a aussi souvent des remarques intéressantes sur ses voyages d'un point de vue scientifique aussi, un petit peu. Mais ces voyages ont toujours des thèmes, et je trouve que les thèmes sont intéressants. Alors, juste pour vous donner deux ou trois exemples qui pourraient peut-être vous intéresser, un de ces bouquins qui m'a beaucoup plu, c'était « Les chemins noirs ». C'est un bouquin qu'il a écrit après avoir eu un gros accident, qui l'a énormément handicapé, et pour dans son projet de rééducation, il a décidé de traverser la France du nord au sud en utilisant que les chemins qui sont mentionnés en ligne noire sur les cartes IGN, c'est-à-dire des sentiers qui ne sont pas entretenus. Et donc il raconte ce périple, et donc c'est souvent très très introspectif chez Tesson, et peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Un autre bouquin que j'ai énormément adoré de lui, c'était Dans les forêts de Sibérie, où il a décidé d'aller vivre pendant 6 mois en autarcie, c'est 6 mois seul en Sibérie, sur les bords du lac Baïkal. Donc c'est aussi évidemment très introspectif, mais c'est passionnant parce que c'est quand même assez unique comme expérience. Un bouquin qu'il a écrit qui est rigolo, mais c'est pour vous donner aussi une idée, c'est Bérézina. Il a décidé de refaire la route de Napoléon lors de sa retraite jusqu'en France, jusqu'à Paris. Donc il est parti de Moscou, grosso modo, jusqu'à Paris en retraçant la route de Napoléon. Sauf que lui, il n'a pas décidé de le faire à cheval, il a décidé de le faire en sidecar. Et donc il a acheté un vieux sidecar en Russie. Donc il faut dire que Sylvain Tesson parle très bien russe, parce que sa maman était une spécialiste de Russie, je crois. Enfin bref, et c'est très rigolo, et c'est marrant. Et puis, un dernier bouquin pour vous donner encore une idée, c'est L'Axe du Loup, qui est un bouquin qu'il a écrit qui a été inspiré par un autre livre qui s'appelle « À marche forcée », qui a été écrit par un gars dont le nom je n'oserais pas le dire parce qu'il est imprononçable. C'était un Polonais qui s'est peut-être échappé des goulags en Sibérie et qui aurait traversé la Sibérie et ensuite se serait retrouvé en Inde à pied. Il aurait fait tout cela à pied avec quelques compagnons de fortune, sans aucun moyen et en ayant peur sans arrêt d'être rattrapé par les Russes, hein. Et donc, Sylvain Tesson a décidé de refaire ce tracé à pied, ou du moins sans aucune locomotion mécanique. Et donc, c'est très intéressant aussi, et voir aussi sa conclusion, est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est réalisable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si ce gars a vraiment pu effectivement s'évader et faire et de cette façon-là, en tout cas. Voilà, donc moi j'adore Sylvain Tesson, j'adore ce qu'il raconte et il le raconte très très bien.
Voilà. Après, il y a d'autres bouquins que je vous recommanderais évidemment, mais il y en a un qui revient tout le temps chez moi. C'est un peu, c'est pas du tout la science-fiction. Ce sont les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait lire en fait, parce que c'est facile à lire. C'est plein de réflexions qui sont très utiles à tout un chacun et que tout le monde devrait méditer pour essayer soi-même d'extraire de soi-même ce qu'il y a de mieux en mieux. Voilà. Il pensait quoi de la 5G, Marc Aurèle? Ah, c'est malin. Ok, bah merci beaucoup, Irène. On va passer à des recommandations de magazines. Je crois que Topo, tu avais quelque chose. Tout à fait, puisque généralement sur la plage, on n'a peut-être pas envie de s'encombrer de gros bouquins, d'une trilogie sur Mars, etc. On peut potentiellement se rendre, ou même si on les a oubliés, on peut se rendre justement dans une librairie en dernière minute, dans l'aéroport ou à la station de train, se prendre un magazine. Et il y en a deux que je vous recommanderais. Un, à mon avis, que vous ne trouverez probablement pas dans ce genre d'endroit, c'est La Hulotte. C'est un magazine dont on a souvent évoqué l'existence, notamment sur Podcast Science. Johan nous avait offert des adaptations audio de petites chroniques de La Hulotte. Oui, il me montre qu'il n'en a fait que une. C'est vrai qu'il devait en préparer une deuxième, mais qu'il ne l'a jamais diffusée. Alors, pour ma défense, Cléora a immédiatement commencé les audios qui, du coup, a supplanté. A remplacé très avantageusement ce que je voulais faire. Très bien. En effet, la première était donc sur les... c'était les... Crapauds accoucheurs, voilà. Je me souviens plus exactement quel épisode. Le dernier en date, alors c'est très 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 épisodique hein, comme diffusion de magazine. C'est un magazine qui existe depuis les années 70. Là, on est au numéro 111. C'est pour vous dire que si ça existe depuis les 70, c'est pas super régulier, surtout pas tous les mois, quoi. C'est pas un mensuel. En gros, on en reçoit un tous les 6, enfin, tous les 3 ou 6 mois. Mais c'est merveilleux, c'est vertu naturaliste, on parle d'animaux, de plantes qu'on peut croiser dans la nature, c'est vraiment très très bien fait, des illustrations parfaites. Et là, le dernier, c'est sur les moineaux, et donc le dernier en cours, c'est Pierrot amoureux. Donc, je trouve que c'est particulièrement bien vu là pour cet été. Et voilà, donc ça, c'est, je le recommande, et surtout pour les jeunes lecteurs notamment, il y a un petit peu de passage BD, donc ruez-vous sur ce genre de magazine. Le deuxième que vous pouvez trouver de magazine facilement dans les librairies, eh bien, c'est Espèce, le magazine Espèce, qui est une revue d'histoire naturelle. On en est au 40e numéro. C'est vraiment super bien fait, avec des petites mines. Ça parle, là, le dernier, vu que c'est pour fêter la nouvelle formule, et je crois que c'est les 5 ans d'Espèce, ça parle de nous, les humains. Et donc, on parle aux origines de notre empathie pour les animaux, l'évolution culturelle, etc. Bref, c'est vraiment un super magazine, notamment parce que il y est question d'évolution, de biologie, mais avec toujours une perspective, je trouve en tout cas, liée à la société, liée aussi à l'art. Donc c'est pas que du brut science et avenir, science et vie, je trouve qu'il y a une certaine poésie naturelle qu'on peut retrouver dans ce magazine, et qui donc est à mettre entre toutes les mains. Donc, voilà. On est d'accord, c'est de la vulgarisation, alors, quand même. C'est de la vulgarisation, ça reste parfois un tout petit peu pointu lorsque certains spécialistes des coraux ou de la phylogénie viennent nous parler. Je peux pas dire que tous les trucs soient accessibles. Cependant, on va dire que les trois quarts de chaque numéro sont totalement accessibles et que c'est assez fascinant ce qui est... Enfin, moi, je l'utilise véritablement comme une source de surprises et voire de sources pour mes propres cours, mes bouquins, etc. Il y a vraiment du contenu de qualité. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que bon, c'est pas c'est pas du Science et Vie Junior. T'as dit ça faisait 5 ans, ça est le 10e anniversaire de SPS a priori. 10e anniversaire, ouais, non, je ne vois pas le temps passer. Mais 10e anniversaire, bah dis-nous, bordel.
Voilà, et en plus, la plupart des illustrateurs font partie de Strip Science, le collectif d'illustrateurs scientifiques autour du Café des Sciences, donc vraiment très très bien. Et j'enchaîne tout de suite sur de la BD. Alors, j'en lis beaucoup, pas forcément énormément qui parlent de science, et du coup, je voulais vous parler de « Intelligences artificielles au pluriel, miroir de nos vies ». Tout au pluriel, d'ailleurs. « Intelligence artificielle, miroir et vie ». Et donc c'est l'auteur, un des auteurs, c'est Fibre Tigre que nous avions reçu dans l'épisode 312 sur les narrations non linéaires, où il venait nous parler de comment générer automatiquement de la narration pour les jeux vidéo, donc pour typiquement produire des images au fur et à mesure que des histoires au fur et à mesure que l'on joue. Et la dessinatrice c'est Héloïse Chauchois qui est venue plusieurs fois aussi nous dessiner pour nous dans nos épisodes radio dessinés, en particulier, je suis quasiment sûr de l'avoir croisé sur les œufs au Palais de la Découverte, et les autres, je crois que j'étais pas là, mais elle est peut-être venue aussi. Voilà. Donc, on aime beaucoup Louis Chauchois. Bon, enfin, moi, j'aime beaucoup son dessin. C'est dans la collection Octopus qui est gérée par Boulet, qui parle beaucoup de science. Et qui est assez inégal, il y en a qui sont bien et d'autres qui sont moins bien, mais ceux avec Héloïse, ceux qui sont dessinés par Héloïse Chauchois, donc Intelligence artificielle et La fabrique du corps, pour moi sont vraiment ceux que j'ai beaucoup aimés. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez un avis, ceux qui en ont lu. Le suspense est total, parce que enfin, de dire la pression est totale, parce que donc ce que Joanne annonce, non, d'une part, une petite correction, c'est lui qui a fondé Boulet cette collection d'Octopus, mais il ne la gère plus depuis quelques épisodes. Il y en a le tout dernier là sur l'esprit critique, par exemple, il faisait déjà plus partie. Il y en aura d'autres qui vont sortir, dont un que je suis en train de moi-même sur lequel je suis en train de bûcher. Voilà. Donc j'espère que je ferai partie des bons opus de cette collection. Bons opus d'Octopus. Bons opus d'Octopus. Il y a HK qui me demande à partir de quel âge c'est la hulotte. La question m'était écrite destinée, mais peut-être que Pierre peut répondre. Moi, je lisais enfant, oui. Moi, je le lisais enfant et je l'ai offert à ma nièce qui a 7 ans, là. Donc c'est un petit peu compliqué, déjà parce que ma nièce ne parle pas parfaitement français, mais ouais, moi je vise 7-8 ans pour commencer à lire, ouais. Mais 10 ans c'est parfait, quoi. Très bien, et donc on va passer à une série dont on a beaucoup parlé sur le podcast parce qu'on est des gros geeks, qui s'appelle For All Mankind. Donc je fais la petite introduction et puis je pense qu'on va beaucoup réagir parce qu'on a beaucoup aimé. Donc For All Mankind, c'est une série dont on vient de finir la troisième saison là, qui en fait est une uchronie, c'est-à-dire que donc dans l'histoire réelle, le 20 juillet 1969, Armstrong atterrit le 21 juillet 1969, Armstrong atterrit sur la Lune, et en fait dans cette uchronie, en fait ils se font coiffé sur le poteau et juste avant le décollage, donc début juillet 1969, en fait, il y a un vaisseau russe qui atterrit sur la Lune et qui plante le drapeau de l'URSS sur la Lune. Et en fait, toute l'histoire, donc ça c'est le début de l'histoire, mais en fait ce que ça va générer en fait, c'est que la course à l'espace ne s'arrête pas, c'est-à-dire que dans l'histoire réelle, la course à l'espace s'arrête là parce qu'en fait au moment où les Américains gagnent la course à la Lune, en fait, l'URSS n'est plus en état économiquement de suivre, et donc en fait, ça s'arrête plus ou moins là. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas été sur Mars, c'est pour ça que encore, etc., etc. Or, dans cette uchronie, en fait, les Américains, du coup, n'abandonnent pas et du coup, se continuent plein d'explorations, de la Lune, etc. Alors, je peux commencer par donner mon avis. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que faut l'avouer, c'est un petit peu du space porn. Il y a beaucoup, beaucoup de petits easter eggs pour les fans sur les gens qui connaissent très bien la conquête spatiale. J'en avais déjà parlé dans un épisode. Par exemple, il y a un truc qui est pas connu de grand monde avec la façon dont ils prenaient des photos avec des appareils analogiques quand il y avait des photos de la Terre avec des appareils analogiques. Alors, on en avait parlé dans l'épisode sur les couleurs de l'univers. Aussi un truc, il y a quelques épisodes dans la saison 2, je crois, qui reposent sur la mission Soyouz Apollo,
qui avait un design un peu particulier parce que quand on fait souvent des dockings dans l'espace, on va utiliser ce qu'on appelle un truc avec une paire mâle-femelle. Donc en gros, une pointe et un trou. Et la pointe va rentrer dans le trou pour se câbler de manière à pouvoir que les deux se câblent dans l'espace et arrivent à rentrer l'un dans l'autre pour pouvoir se docker. Il se trouvait que ni les Russes ni les Américains ne voulaient être la partie femelle du docking. Et donc, ils avaient dû trouver un système de docking en pétales, trois pétales qui s'insèrent l'une dans l'autre, etc., pour que les appareils de docking soient symétriques. Donc, c'est mascu, mais c'est un peu insupportable, en fait. Et donc, c'est des années de développement pour trouver ce système-là. Enfin, ça coûte cher, le patriarcat. C'est horrible. Et donc, il y a des épisodes sur ça, etc. Il y a des je pense que c'est un petit peu dur quand vous connaissez pas forcément très bien, et même moi d'ailleurs, enfin je m'y connais beaucoup, mais je suis pas un ingénieur spatial. Donc il y a des trucs où vous savez pas si c'est vrai ou pas, mais il y a beaucoup de petites anecdotes comme ça en fait qui sont reprises effectivement de la vraie conquête spatiale. Voilà. Du coup, Pascal, Alexa. Alors déjà, je tiens à faire une correction parce que tu m'as fait super peur. J'ai cru que j'avais loupé une saison. Pour l'instant, il n'y en a eu que deux. Oui, il y a deux saisons. Je suis allé vérifier. Oh punaise, il me reste des épisodes à regarder. Mais non, hélas. Alors moi, je suis pas plus space geek que ça. Je m'y intéresse, mais de loin. Et c'est pas trop ce genre de choses qui m'ont beaucoup plu dans cette série. C'est plus le côté vraiment aventure. C'est l'aventure que peut être la conquête de la Lune, exploration lunaire et voilà. Il y a des épisodes avec une tension absolument folle, notamment un où il y a également le côté de la famille des protagonistes qui m'a particulièrement marqué. C'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui est souvent abordé. On voit le héros, mais rarement la famille. Et là, on vit la tension de la famille. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup plu. Voilà. Et moi, je suis vraiment entre vous deux en fait, parce que moi, je suis une grosse space geek, donc j'ai repéré beaucoup notamment des projets avortés qui sont mentionnés dans la série. Donc il y a ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, le côté bien sûr exploration spatiale, le côté le côté geek un peu ingénierie et tout ça, gros vaisseau et tout. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le côté le côté que c'est non seulement une série qui arrive à parler, à rester techniquement je pense assez vrai et assez juste sur certaines choses, mais bon, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses, et qui en même temps propose une histoire avec des protagonistes auxquels on s'attache. Je trouve que les personnages sont vraiment très très bien faits, et pareil, j'ai quelques épisodes en tête, le final de la saison 2 par exemple, j'ai trouvé que c'était très fort, et voilà, je trouve que c'est une série du coup qui, même si vous n'aimez pas nécessairement, vous n'êtes pas forcément un gros space geek, il y a ce côté histoire des personnages qui est extrêmement bien rendu. Voilà, je trouve que et vu qu'on repart aussi, c'est encore une fois très actuel, puisqu'on repart dans la conquête de l'espace, là, quand on applique à l'ESA, par exemple, il y a un côté retour à la Lune, il y a une base lunaire qui est en cours, la NASA met en avant des missions vers Mars, je pense que c'est, il y a aussi ce côté actuel, qui est le retour sur la Lune et le retour dans l'espace. Et d'ailleurs, il me semble que la saison 3, d'après des spoilers, des spoilers officiels, hein, rien de leaké ou quoi que ce soit, il me semble que dans la saison 3, ils vont aller sur Mars. Donc, et que ça se passera à peu près au moment de Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue d'ailleurs, il me semble. Donc, c'est plus que insinué à la fin de la saison 2. Oui, toutes dernières images. Ouais. Avec des ellipses temporelles, hein, puisque il me semble qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y a quoi? Il y a 10 ans, je crois, 10 ou 20 ans. Ouais, 10, 15 ans. Donc voilà, donc là où il y aura encore une ellipse temporelle pour la suite. Mais oui, voilà, pareil que Johan et Pascal, je recommande chaudement cette série, même au-delà des fans de l'espace. Et du coup, c'est une recommandation que je n'avais pas prévue, mais Pascal, tu parlais justement de cet aspect familial, en fait, de l'exploration spatiale. Il y a une série qui explore quasiment exclusivement ça, qui s'appelle The First, avec Sean Penn qui joue le rôle du premier Américain qui veut aller sur Mars.
Et en fait, la série en fait ne parle quasiment pas de spatial. En fait, c'est juste l'histoire de cet astronaute là qui part et de sa relation avec sa fille, etc. Et puis là, je vais voir sur Wikipédia, elle a été annulée après une seule saison, donc ça restera uniquement avec sa famille. Il n'ira jamais sur Mars apparemment. Et donc voilà. parce qu'à la fin de la première saison, du coup, il s'embarque. Voilà. Mais donc, du coup, si ça vous intéresse, c'était moins bien que For All Mankind, mais c'était quand même pas mal. Je tiens à dire quand même aussi, je sais pas si ça peut servir de recommandation, mais moi, je consomme très très peu de séries. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à regarder. Donc, pour qu'une série m'accroche comme ça, deux saisons d'affilée jusqu'au bout, voilà, ça veut vraiment dire que, que c'est capable de retenir l'attention, je pense. Et pour le Mankind, ce qu'ils disent dans la série, que du coup ils remettent en selle une équipe féminine d'astronautes, c'est quand même un truc qui a été annulé parce que John Glenn, un des premiers astronautes, était quelqu'un d'horriblement sexiste et a dit les nénettes elles restent à faire la cuisine. Donc en fait il y a eu des missions féminines NASA, enfin une équipe féminine NASA qui était prévue dès les années 60 et qui a été annulée parce qu'en fait tout le monde était horriblement sexiste. Donc c'est vrai qu'il y a aussi quand même un côté, qu'il y a une histoire à rattraper quand même qui est horriblement sexiste, particulièrement dans la bande spatiale. Pour continuer, vu que j'ai beaucoup d'occasions de parler de ça visiblement ce soir, ça fait deux fois, pour mentionner Blue Origin une nouvelle fois, ces fameuses femmes qui s'étaient entraînées pour aller dans l'espace, dont une des membres va être emmenée par Jeff Bezos sur son premier voyage dans l'espace là, dans les semaines qui viennent. Voilà. C'est vrai, elle est très âgée d'ailleurs elle a une carrière extraordinaire parce qu'à l'époque, elle a quel âge ? Là où elle est d'arrivée. 80 ans, je crois, un truc comme ça. Oh, elle va aller dans l'espace à 80 ans. Ouais. Et c'est son rêve. C'était son rêve de toujours, quoi, et qu'elle pensait jamais que ce serait réalisé. Très bien. Et bah donc je laisse la main à Topo et Léa pour leur recommandation de série. Alors oui, moi ça va aller très 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 rapidement parce que en fait, contrairement à Alexa, je suis un glouton de série, je bouffe que de ça quoi, donc je suis capable de me binger une saison en à peu près genre juste une soirée, donc c'est pas très très raisonnable. Et puisqu'on parle de essentiellement de séries de science-fiction, uchronique, etc., je voulais juste vous faire un petit panel des séries que j'ai vues ces temps-ci. Ces derniers temps, j'ai bien entendu vu The Mandalorian, hein, peut-être super série Star Wars, quand même c'est assez génial. Loki, WandaVision, Love, Death and Robots, Raised by Wolves, Star Trek Picard, Star Trek Discovery, The Boys, I Am Not Okay With This, Watchmen, Tales from the Loop. Donc si vous avez besoin d'une recommandation, vous pouvez regarder n'importe quelle série. Moi, j'ai besoin d'une recommandation. Hein, comment tu fais pour regarder autant de séries et faire autant de trucs à côté? Mais je dors pas, comme le film. Un, je me reproduis pas, ça aide. Deux, je dors pas. Donc voilà, tu fais ces deux choses-là, a priori, tu peux te dégager un tout petit peu de temps. Mais il y a une série, à mon avis, dont il faudrait parler s'il faut faire une recommandation, notamment sur Podcast Science, parce que je trouve qu'elle, par certains aspects, elle recoupe un peu avec l'esprit du podcast, c'est Rick and Morty. En effet, Rick and Morty, c'est une série d'animation d'Adult Swim, enfin qui est diffusée sur Adult Swim. C'est pas parce que c'est une série d'animation qu'il faut la montrer à des enfants. Au contraire, c'est un petit peu trash. Ouais. C'est une sorte de parodie des deux personnages de Retour vers le futur. Donc, voilà. Dès que je dis Rick and Morty, j'ai absolument aucun moyen de. Donc, c'est Doc et Marty McFly, voilà, qui sont parodiés par le créateur de la série. En fait, il y a deux créateurs. Il y a Dan Harmon qui est derrière la série Community, qui s'est fait connaître à travers cette série et qui est aussi un des deux showrunners de Rick et Morty. Et l'autre, je vais m'empresser de chercher son nom parce que j'ai absolument aucun moyen de me rappeler, et qui prête aussi la voix, donc c'est Justin c'est Justin Roiland qui prête la voix à certains personnages de Rick et Morty. La raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant, c'est qu'à travers vraiment les aventures complètement rocambolesques et
parfois dégoûtante, trash de ces deux personnages. Il y a souvent, et même très souvent, des notions de science-fiction, mais hardcore, qui nous sont présentées. Et une des particularités de chacun des épisodes, c'est qu'ils vont vraiment au bout d'une idée. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une idée. Là, par exemple, un des derniers épisodes, il y a Rick, qui est genre un génie interdimensionnel, a créé des clones de sa famille pour pouvoir se protéger. Sauf qu'au bout d'un moment, les clones qu'il a fait, il les a rendus suffisamment ressemblants pour que ces clones créent eux-mêmes des clones, et ça entraîne tout un cataclysme avec des questions philosophiques surprenantes qu'on peut avoir. Justement, est-ce que le clone du clone du clone Et ça en arrive à solliciter parfois des philosophes comme Nietzsche, en se demandant est-ce qu'on peut tuer Dieu juste avec un épisode de 20 minutes complètement tarabiscoté. Donc, si vous avez un petit faible pour justement les contenus philosophiques tout en regardant une série un tout petit peu hardcore, c'est un très très bon choix. Alors moi, j'ai eu vraiment énormément de problèmes à rentrer dedans. Parce que les personnages ont des voix juste affreuses, mais vraiment affreuses. Le personnage de Rick ne fait que roter et péter toutes les trois quarts du temps. Donc moi, ça me perturbe quoi, au bout d'un moment. Et ça va à une vitesse. Il y avait des moments où je me sentais vieux. J'avais l'impression qu'il fallait que je mette, comme certaines vidéos sur YouTube, on les regarde en x4 pour gagner du temps. Là, j'avais l'impression qu'il fallait que je les regarde en x-4. Enfin, en 0,25 pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Quoi. Ouais, non, ça va vite. C'est très très rapide et si tu rates. Pour moi, c'est trop rapide. Moi. Voilà. C'est... tu rates un bout d'information et hop, c'est fini. Quoi. Tu peux plus comprendre l'épisode. Donc. J'aimerais bien voir les making-of parce que l'équipe, c'est pas possible. Ils doivent prendre quelque chose. Quoi. C'est certain. C'est, notamment vu ce qui se passe certaines fois à l'écran où les personnages se droguent de manière hardcore, c'est à peu près sûr que c'est pas sorti de n'importe où. Donc je doute que ce soit des gens en bonne santé, que ce soit mental ou physique. On est donc d'accord. Voilà, ça c'était bien. Ouais. Que c'est une série qui se regarde pas à la chaîne. Enfin moi j'ai un épisode. Moi je regarde un épisode par semaine là. Je respecte scrupuleusement. Si je regarde deux épisodes, c'est bon, j'ai le cerveau free. Ah oui, on est d'accord. C'est peut-être c'est pour ça que j'arrive pas. Mais j'ai essayé le 0,25 alors parce que. je me permets juste de rebondir sur Love, Death and Robots. Alors c'est peut-être parce que j'aime bien les nouvelles, les anthologies. Mais certains épisodes sont absolument extraordinaires. Surtout dans d'autres la première sont saison. Nullissimes. C'est quand même, c'est vraiment comme c'est à chaque fois des personnes différentes qui s'occupent et des équipes techniques différentes, des équipes des artistiques différentes et parfois même au scénario différent. C'est très bien parfois et parfois c'est juste horrible. Excuse-moi Pascal, je te rends la parole. Non, c'était tout ce que j'avais à dire. Et moi j'ai aussi regardé Love, Death and Robots. C'est effectivement inégal, mais il y a des épisodes pour moi ils sont vraiment fantastiques. Il y a vraiment des épisodes qui sont vraiment géniaux. Ouais. Donc, pour un peu tout petit peu décrire la série, c'est des courts-métrages d'animation. Très science-fiction, très métal hurlant dans l'idée. Donc beaucoup de cul, beaucoup de gore, beaucoup de donc métal hurlant pardon, qui est une revue de BD de science-fiction des années 80 française qui a beaucoup inspiré la science-fiction mondiale par leur thème un peu déjanté et leur science-fiction un peu adulte. Non, très très chouette. Et les épisodes extraordinaires sont extraordinaires de façon très différente les uns des autres. C'est pas une recette qui est, enfin, c'est vraiment pas une recette qui est répétée. C'est vraiment, on regarde un épisode, on sait pas sur quoi on va tomber, et c'est souvent génial. Ça vaut peut-être le coup de dire que graphiquement, c'est extrêmement intéressant parce que chaque épisode est complètement différent sur la manière dont il est réalisé en termes d'esthétique, d'univers et de graphisme. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Plus que des fois le scénario où on a l'impression qu'ils vont pas très loin dans le concept. C'est vraiment un court-métrage exercice de style, quoi. Alors, il y en a qui sont presque enfin, c'est presque de la contemplation et tu t'en fous de ce que tu vois, quoi. Par contre, faites très attention, c'est encore une fois, c'est de l'animation, c'est pas du tout pour les enfants. C'est... Non, c'est très drôle. En effet, je vois qu'on a été traumatisés par la messe, notamment l'épisode sur de la saison 2 sur Noël, il faut pas le montrer à des enfants. J'ai pas encore regardé la saison 2, mais oui. Dans la saison 1 aussi, on avait bien des bien crados.
Très bien, et ben on va passer au podcast si on a fini. Attends, il y a Léa, il y a aucune. Je n'ai pas eu le temps de faire ma recommandation de série, s'il te plaît. Ça ne sera pas très long. C'est une série que j'ai regardée, que j'ai découverte sur Netflix, qui touche à la cuisine et qui touche un peu à l'ethnobotanique. Ça s'appelle Aux origines des saveurs, en anglais Flavorful Origins. Et il y a 3 saisons, c'est 40 épisodes de 12 minutes, donc ça se regarde assez bien. Et le principe, c'est que les épisodes nous font découvrir la cuisine de Chine, de plusieurs régions de la Chine, et surtout la façon dont certains produits sont fabriqués. Donc il y a beaucoup de procédés artisanaux sur la transformation du gluten, de blé, sur toutes sortes de produits improbables que vous pourriez trouver dans vos assiettes si vous baladiez en Chine. Et c'est magnifiquement filmé avec des caméras qui sont dans le détail de toutes les bulles de transformation et tout. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et ça parle aussi de plantes, du coup, pour ceux qui sont intéressés par l'aspect ethnobotanique de la chose. Et donc ça montre comment dans les montagnes ils utilisent des plantes que je ne savais même pas comestibles, par exemple, pour en faire toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment super bien si vous avez envie d'un peu d'évasion et d'un truc un peu léger pour découvrir de la cuisine un peu incroyable. Voilà. Je vois un épisode qui s'appelle La Bouillie. Ça y est, Flutch. Très bien, et ben on va parler de podcasts maintenant. Pas mal de recommandations podcasts, comme vous vous en doutez, nous en écoutons tous beaucoup. Alexa, tu veux commencer ? Oui, et ben allons-y. Donc moi c'est un podcast donc en anglais. Je crois que Topo avait déjà fait des recommandations sur ce podcast Genetics Unzipped, et je voulais parler d'un épisode qui s'appelle Six-Toed Cats and Cyclope Lambs: The Story of Sonic Hedgehog. Donc en français, les chats à 6 orteils et les agneaux cyclopes, l'histoire de Sonic Hedgehog. Et en fait, cet épisode retrace tout simplement l'histoire du gène Sonic Hedgehog, dont on vous a déjà parlé aussi dans le podcast, dans les épisodes Evo Devo de mémoire, et moi je crois que j'en avais parlé aussi dans plusieurs épisodes, qui est un gène qui est crucial en biologie du développement, qui participe à l'édification de plein de choses, des poils, des dents, mais pas seulement du cerveau, enfin énormément de choses. Et du coup, en partant des chats à 6 orteils pour aller à l'agneau à cyclope, un docteur qui travaille sur ce gène, docteur Kat Harney, explique, donc c'est un podcast en anglais, je le rappelle, explique l'histoire de Sonic Hedgehog, parle de biologie du développement, d'évolution, de santé, etc. C'est très très intéressant. Je pense que pour tous ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets, parler de Sonic, c'est vraiment une façon de parler de l'histoire de la biologie du développement moderne, et parce qu'on touche vraiment à énormément d'aspects. Donc comme je l'ai dit, on parle d'évolution, mais on parle aussi d'évolution de développement, de santé. Donc si vous voulez vraiment un espèce de panorama de biologie du développement moderne, je pense que cet épisode, c'est aussi un bon moyen d'avoir ce genre de choses. Ouais, notamment, bon, alors le docteur Cotarnet et notamment Genetics Unzipped, pour certains auditeurs de podcast science, ça pourra rappeler tout simplement on a adapté une de ces séries qui s'appelait Not Just a Wife, où My Wonderful Wife Elise a participé et prêté sa voix. C'était de la traduction et de l'adaptation de ces podcasts dans lesquels elle présentait des généticiennes connues et qui avaient été mises à l'ombre par généralement leur mari ou d'autres hommes du monde de la biologie. Eh bien, tu peux enchaîner, Pierre. Yes, moi c'était juste une petite parenthèse pour vous rappeler que si vous cherchez des recommandations de podcasts, notamment des recommandations de l'équipe, vous pouvez trouver sur la page Qui sommes-nous de podcast, de notre podcast, une liste de recommandations qu'on va peut-être tenter de mettre à jour au fur et à mesure de toutes les recommandations de l'équipe de Podcast Science. Donc si vous cherchez des inspirations, que ce soit anglo-saxon, français, en science et pas en science, et ben vous pouvez vous y référer là-dessus. Et pour avoir des recommandations un tout petit peu plus fréquentes, j'en fais une, moi, mensuelle, dans ma newsletter, donc sur Strange Stuff and Funky Newsletter. Chaque mois ou chaque 2 mois, j'essaie de parler des épisodes que j'ai bien aimés. Voilà. Donc ça, c'est... si vous cherchez des recommandations, vous pouvez retourner sur ces newsletters et cette liste sur le site de Podcast Science. Du coup, tu n'as pas donné ta recommandation, donc je te propose de passer à la tienne avant de revenir à Alexa.
Ah oui, alors il y a un petit peu en bas. Oui, alors une recommandation estivale, mais ça c'est un scoop, c'est d'une part, donc à partir du 13 juillet, il devrait y avoir sur Futura, donc le site de Futuration, ce qui s'appelle maintenant Futura, 3 épisodes qui vont être diffusés, dans lequel Élise, encore une fois, et moi-même, nous allons vous proposer des petites capsules dans un podcast, un truc qui s'appellera La Nature sur écoute, et dans lequel vous pourrez justement découvrir différents aspects de la biologie. Voilà. Bon, c'est un petit projet dont on est pas mal fier. Il y aura 3 épisodes, et c'est dans le cadre donc d'une collaboration avec Futura. Et c'est en gros, ils ont un podcast qui s'appelle Bête de Science, et dans ce Bête de Science, nous on fait un hors-série, La Nature sur écoute, qui sera diffusé tout cet été, en 3 épisodes. Sinon, à écouter, et en dehors de cette auto-promo éhontée, je vais vous parler d'un podcast que j'ai vraiment beaucoup aimé ces temps-ci. C'est un podcast qui s'appelle Cautionary Tales, et dont l'auteur, Tim Harford, que j'aime beaucoup, il a écrit des livres aussi, notamment The Data Scientist, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qui en période de Covid et de grands troubles de l'evidence-based medicine ou evidence-based quoi que ce soit, c'est important d'en avoir un tout petit peu écho. Donc, en gros, comment interpréter des données, l'importance de la statistique, etc. Et il a lancé ce podcast qui s'appelle Cautionary Tales, dans lequel la plupart du temps, c'est encore une fois en anglais, désolé hein, pour ceux qui sont absolument pas anglophones, c'est vrai qu'il faudrait qu'on compense avec d'autres épisodes francophones. Toujours est-il que ce podcast raconte des histoires dans lesquelles soit des cataclysmes, soit des gros problèmes ont eu lieu, et il décortique un tout petit peu ce qui s'est mal passé et les enseignements qu'on peut en tirer. Et là, ce qui est fascinant dans l'épisode que je vais vous recommander, c'est un épisode sur Florence Nightingale. Et ben c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. C'est quelque chose au contraire qui a changé durablement la médecine en Angleterre, et voire l'utilisation c'est la naissance des infographies. C'est donc Florence Nightingale qui était une infirmière dépêchée sur des fronts de certaines guerres, et qui a fait le constat assez dramatique des conditions sanitaires des hôpitaux militaires, et qui a proposé justement des solutions. Et pour pouvoir faire que ces solutions soient pérennes et utilisées dans tous les hôpitaux militaires, elle a proposé la première infographie pour montrer l'impact l'implémentation des solutions sanitaires sur la survie des soldats en milieu hospitalier. Donc ça, c'est l'histoire que beaucoup de gens connaissent. Là où Tim Harford arrive à faire quelque chose d'absolument génial, c'est de raconter cette histoire et de dire que, en fait, si véritablement on analyse correctement les données, on s'aperçoit qu'elle a un tout petit peu triché sur les données. Donc c'est assez monumental, et il faut écouter ce podcast, parce que à la fin, on s'en retrouve à mais quelle est la leçon de cette situation-là? Et cette ambiguïté, moi je la trouve fantastique, parce que c'est un peu l'ambiguïté de la science en train de se faire, de la science même, de la situation actuelle, dans laquelle vous avez des grands chercheurs, professeurs qui publient 3000 publications et qui sont reconnus pour leur travail, qui se mettent à dire de la connerie, et voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et que même les plus belles histoires qui, dans le sillage desquelles on a fait les plus grands progrès en science, sont pas nécessairement les histoires les plus propres. Voilà. Et du coup, moi, c'est toi qui me l'as fait découvrir, effectivement, le podcast de Cautionary Tales. Et j'aime vraiment beaucoup aussi, si je pouvais recommander, je crois, un épisode, c'était celui sur le How to Catching a Killer Doctor, où en fait il parle d'un tueur en série anglais qui pendant des décennies en fait a tué des gens âgés, souvent malades, et qui du coup était impossible à attraper parce que les gens pensaient qu'il mourait de mort naturelle, et en fait il a fini par être attrapé par les statistiques, en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on s'est aperçu qu'il avait un taux de mortalité démentiel, même si individuellement en fait chaque mort avait l'air d'être tout à fait naturelle.
Voilà. Donc c'est vraiment c'est un très 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 bon vulgarisateur, je pense qu'on peut le dire. Effectivement, il amène des concepts scientifiques à travers une histoire. On a absolument pas eu l'impression d'avoir appris quelque chose, et on l'a appris quand même, quoi. C'est horrible. du coup, je vais passer retour à Alexa, je pense. Oui, alors on va encore une fois sortir de la science pour cette fois-ci. Moi, j'avais envie de vous parler d'un épisode de podcast que j'ai écouté récemment et qui m'a énormément marqué. C'est un épisode du podcast Passage de Louis Média. On vous a déjà parlé de Louis Média aussi, notamment pour le podcast Et peut-être une nuit sur l'inceste, qui me semble qu'on avait recommandé en début d'année, porté par Charlotte Puldowski. Donc Passage est aussi porté par Charlotte Puldowski et par le studio de production Louis Média. Donc Passage, c'est un podcast qui raconte des histoires de vie assez marquantes, avec toujours en général le point de vue d'une ou deux personnes, et qui permet d'aller un peu plus loin sur ces expériences un peu marquantes. Et cet épisode-là, il s'appelle « Le tournage d'une vie ». C'est un épisode sur les gens qui ont réalisé, donc le réalisateur Boris Lojkin et l'actrice Nina Meurice, à propos du film sur la vie de Camille Lepage, qui a été une photojournaliste tuée en Afrique quand elle avait, je crois, 27 ans, enfin autour de 25 ans, elle était très jeune. Et donc cet épisode de Passage raconte donc la vie de Camille Lepage, évidemment, puisqu'il parle des gens qui ont fait le film sur elle, mais aussi à quel point, en fait, l'intensité de sa vie et de son engagement en Afrique a marqué à la fois le réalisateur et aussi l'actrice du film. Et j'ai trouvé que ce podcast c'est vraiment quelque chose de très très fort, parce qu'on voit à quel point la vie de quelqu'un qui est mort mais qui a fait des choses marquantes va pouvoir influencer à la fois un réalisateur qui va vouloir rechercher cette idée de coller le plus possible à la vie de Camille Lepage pour raconter, pour la faire revivre d'une certaine façon, et aussi l'impact sur l'actrice qui a voulu être Camille d'une certaine façon, comme le réalisateur le voulait, et qui a été extrêmement marquée par ce rôle, par la vie, par tout ça. Et donc pour moi, ce podcast, cet épisode, c'est à la fois la retrace la vie de cette personne, mais aussi l'impact que peut avoir une personne après sa mort par les gens qui veulent faire un témoignage. Et voilà, donc je conseille vraiment cet épisode qui est très très marquant, et je trouve qu'il laisse vraiment beaucoup d'idées en tête après qu'on l'ait écouté. Et voilà, du coup ensuite moi je voulais faire une recommandation, donc j'écoute assez peu de podcasts scientifiques maintenant, effectivement, j'avoue que j'ai tendance à écouter un peu d'autres choses, en particulier dont peut-être une nuit dont tu viens de parler, que j'ai adoré. Et là en fait je voulais parler d'une recommandation, en fait d'un épisode scientifique dans un podcast qui est non scientifique, donc c'est un podcast qui s'appelle Le Code a changé, qui est un podcast de France Inter. Et où en fait souvent ils regardent des choses sur la façon dont l'informatique en fait envahit nos vies sur différentes choses, donc en particulier il a fait sur Zoom, la façon dont on se parlait tous maintenant sur des trucs en ligne, etc. Il a fait des épisodes sur les réseaux sociaux, il a fait des épisodes sur les jeunes qui consomment, qui passent leur vie sur TikTok, il a fait des épisodes, etc., etc. Et il en a fait un d'ailleurs sur les nanoparticules, qui s'appelle « Pourquoi la nanoparticule s'est-elle retrouvée dans les complots ?» Et je vous propose d'écouter la première minute, si Pascal, tu peux la passer. Comme beaucoup, j'ai regardé Hold Up, le documentaire sur l'épidémie de Covid, dont on a beaucoup parlé, hein, très légèrement conspirationniste. Et alors que j'arrivais péniblement à 2 heures de visionnage, je suis tombé sur quelque chose qui m'a intrigué, enfin un peu plus intrigué que le reste. Serait-ce donc une guerre bactériologique ? Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. On y est. C'est pas très clair, mais si j'ai bien compris, Bill Gates aurait comme projet de profiter des vaccins pour nous faire ingérer des nanoparticules de crypto-monnaie. Alors, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est la convocation des nanoparticules. Parce que c'est pas la première fois que je les vois apparaître dans des théories du même genre. Bon, par exemple,
dans cette vidéo postée début novembre par Kim Glo, l'ancienne candidate de télé-réalité. Je vous jure que c'est vrai, renseignez-vous, on n'aura plus de liberté, on va tous être pucés, mais pas une puce comme vous imaginez de chien ou chat qu'on peut retirer, non. Des nanoparticules, ça sera. On pourra pas les retirer. Et puis, il y avait eu aussi cette vidéo qui a beaucoup tourné il y a quelques mois d'une manifestante anti-masque. Donc la vaccination, bourrée de nanoparticules. Donc après, on active la 5G. Parce que la 5G fonctionne avec les nanoparticules. Parce que c'est des micro-cartes, hein, ni plus ni moins. La 5G lance des rayons. Oui ou non ? Et tout ça, on le retrouve presque mot pour mot d'ailleurs dans différentes théories défendues par les QAnon, ce groupe complotiste dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Bon, montrer que tout ça est faux, c'est pas très compliqué. Hein. Par exemple, dans le brevet sur la crypto-monnaie déposé par Microsoft, un brevet qui existe bien, il n'est absolument pas question de nanoparticules. Le code. Ensuite, les nanoparticules qui nous pisteraient. Ben ça, c'est une confusion avec d'autres technologies miniatures, comme par exemple les puces RFID, etc. Et puis, des nanoparticules activées par la 5G, eh ben, à ma connaissance, ça n'est pas possible. Bon, bref, factuellement, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est important de le dire que c'est faux. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, ça a l'air un peu trivial, mais c'est pourquoi les nanoparticules se sont retrouvées là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans les nanoparticules qui les rend propices à ce type d'imaginaire ? Xavier Delaporte. Le code a changé. Voilà, bah du coup, je vous conseille en particulier cet épisode. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de faire un mec pas du tout scientifique. Donc, il fait une grande interview souvent par épisode. Donc, un mec pas du tout scientifique qui va, en fait, se poser une question sur un élément scientifique et essayer de trouver des éléments de réponse autour de lui. Et moi, en plus, je connaissais rien sur les nanoparticules, donc j'ai appris des choses. Donc, voilà. Et la plupart des autres aussi, je vous le conseille, du code à changer. Et je vois que Cléora s'invite dans la liste, donc je t'en prie Cléora, fais ta recommandation. Oui, c'était pour rebondir sur les complotistes, etc. Je vais recommander Méta de Choc, qui est un podcast qu'on trouve aussi sur YouTube. Donc podcast autour de la métacognition et de l'esprit critique, où les remarques sur les témoignages et croyances de chacun, hein, donc même les complotistes, restent assez douces et mesurées, donc ça fait du bien, par rapport à ce qu'on peut voir sur Twitter, par rapport à des zététiciens, etc. Par contre, c'est assez long, mais ça fait du bien de l'entendre, parce que c'est des témoignages entiers, quoi. Ça fait du bien de l'entendre comment d'autres personnes peuvent avoir des points de vue totalement différents de manière raisonnée, alors que ça nous paraît à nous loufoque, en fait. Voilà, c'était mon petit point avec celui-là. Et pour finir, Alexa, qui écoute beaucoup de podcasts. Oui, contrairement aux séries, trop peut-être. Non, mais quand t'es chercheur et que tu fais des tâches répétitives, en fait, à la paillasse, les podcasts, c'est super. Je pense que pour toute personne qui fait des tâches un peu répétitives où t'as pas nécessairement besoin de réfléchir sur le moment, c'est vraiment un bon moyen. Ça marche aussi pour les célibataires qui font la vaisselle. Ah oui, non, mais ça marche pour la vaisselle, le ménage, sans problème. Hein. Oui, alors moi, vous allez dire que je parle que de bouffe, mais je voulais recommander le podcast Podstash de Vinstache, de la chaîne YouTube Vinstache, dont on vous a déjà parlé, qui est une chaîne de vulgarisation sur le vin, qui est très chouette, très marrante, très intéressante, avec à la fois plein d'infos, mais dans un format très très sympa. Donc voilà, on vous recommande de nouveau cette chaîne. Là, je recommande le podcast, donc avec son ami qui est caviste cette fois, qui s'appelle Charles, Loïc de Vinstache, présente des bouteilles sélectionnées de qualité qui sont accessibles, mais présente pas uniquement que le vin en mode, on s'écoute un peu parler en parlant de robe, de nez ou de choses comme ça, mais plus en parlant de qualité. C'est des bouteilles qui sont accessibles niveau prix, donc qui peuvent convenir à tout le monde, et vous avez surtout plein d'anecdotes sur les domaines et les cuvées proposées, comment les gens font le vin, les gens qui sont derrière, et moi je trouve que c'est très très intéressant quand on achète des produits comme ça, de savoir un peu comment ça se fait. Voilà, donc c'est des formats qui sont plus ou moins pas trop trop longs, et voilà, si ça vous intéresse, si vous aimez le vin, je vous conseille d'aller écouter ce podcast. Et donc on va parler, donc on a une petite recommandation sur la chatroom, alors j'avoue que je devrais peut-être connaître mais que je ne connais pas du tout, qui a été recommandée par Sébastien Carassou, donc
l'auteur de la chaîne The Sense of Wonder sur YouTube, qui a aussi une page sur son site internet, qui a une page de recommandation de podcast. Et ce podcast s'appelle Le Modèle Standard, mais je ne pourrais pas vous en parler, je n'ai jamais écouté, même si j'imagine que ça doit parler d'astro avec un nom comme ça. Le Modèle Standard étant le nom qu'on donne au modèle standard de l'univers, enfin le modèle admis dans l'univers. Moi, je pense que ça parle de slip. Ça parle du modèle standard de slip. Il va y avoir à peu près le même nombre de paramètres, effectivement, je pense entre 3 et 5 pour un slip. Et à partir de ça, tu arrives à décrire tous les slips. Exactement. Mais connaissant le bougre, ça parle nécessairement de slip. Très bien. Donc, sur ces recommandations, sur le slip. Fett nous dit Carassou, c'est astrophysique plus jazz. Astrophysique plus jazz. Oh. Oh. Voilà. Donc, dans l'astrophysique, ce qui est important, c'est les notes qu'on n'entend pas. Et sur ceci, je vous propose de passer aux recommandations de films. Ça fait déjà une heure et demie d'épisode, donc bref, aux recommandations de films. Et je te propose de commencer, Cléora. Ok, donc sur les films niveau récent, j'ai choisi juste des récents pour vous en citer deux. Je vais vous citer Oxygène, qui est un petit film francophone sorti cette année, où on suit le réveil d'une personne qui ne se souvient pas de qui elle est. Bon, on dirait presque classique, on pourrait dire. Mais pire que ça, elle est enfermée dans une capsule cryogénique. Et pire encore, elle va bientôt être en manque d'oxygène. D'où le titre du film, Oxygène. Donc là, le personnage principal ne sait plus qui elle est, mais par contre, elle sait décrire dans quoi elle est enfermée. Elle sait décrire son environnement extérieur avec des mots. Du coup, ce n'est pas une totale amnésie de toute sa mémoire. Et c'est là le petit point par rapport avec la science et la psychologie. En neurosciences, on différencie bel et bien plusieurs mémoires à long terme, et ici, ce qu'on appelle une mémoire dite épisodique, liée à son histoire personnelle, donc c'est celle que, la mémoire qu'elle a oubliée, et une mémoire dite sémantique, liée aux mots et à la description du monde qu'elle a gardé. Et si par malheur, ce sont toutes vos mémoires qui partent en lambeaux, qui partent en fumée, là on parle de démence. C'est le cas par exemple dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc j'en parle hein, parce que c'est le sujet du second film que je vais vous citer là, un petit chef-d'œuvre avec Anthony Hopkins, The Father, le père, un film donc sorti l'année dernière, où durant ce film vous suivez Anthony, qui perd au quotidien tous ses repères. Et puis la façon dont c'est réalisé fait un peu remonter l'angoisse que peut ressentir la personne qui perd tous ses repères, toutes ses mémoires, etc. Donc je le recommande vraiment parce que si vous n'avez jamais été initié au quotidien avec quelqu'un qui a atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt réaliste et c'est presque comme un documentaire, en même temps qu'un film très angoissant. Voilà, voilà. Très bien. Et bah donc Léora a fait plutôt récent. Moi, j'ai choisi un film qui est sorti avant que je suis né. Et donc je voulais un peu réfléchir parce que donc sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure dans les romans où Pascal disait qu'il n'avait pas aimé le film qui était tiré de la nouvelle de Ted Chiang, qui est Arrival, parce qu'il l'avait lu juste après la nouvelle et donc ça avait influencé son choix. Et si vous aimez le cinéma et la littérature, vous êtes sans doute posé la question assez souvent. D'ailleurs, on en parlait justement la semaine dernière avec Topo, Claire et Léa et Pascal à l'apéro. On a parlé de Dune, de Frank Herbert, adapté par David Meilleur Lynch. Film. Meilleur film. Et revisité par le réalisateur canadien Denis Villeneuve. On a parlé de la nouvelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick, adapté par Ridley Scott dans le film Blade Runner. Des mots furent échangés, des positions intenables furent défendues avec brio et mauvaise foi. Notre amitié et le podcast survécurent de peu. Dans ces discussions, toujours les mêmes arguments s'opposent. Faut-il coller à l'œuvre au risque de produire un film à l'univers un peu pauvre, mais plus proche du génie originel du livre? Ou alors s'écarter plus franchement en prenant un risque plus grand, risque de dénaturer ce qui faisait l'intérêt de l'œuvre originale, parfois même en s'aliénant l'auteur et ceux-là même qui avaient aimé le livre. On peut penser par exemple à Shining qui a été refait par Kubrick et que Stephen King avait détesté et avait totalement renié. Marguerite Duras d'ailleurs le dit assez bien en fait, ce problème de l'adaptation, et dit « le cinéma arrête le texte, frappe de mort sa descendance, l'imaginaire ». C'est là sa vertu même, de fermer, d'arrêter l'imaginaire. Cet arrêt, cette fermeture s'appelle le film. Bon ou mauvais, sublime ou exécrable, le film représente cet arrêt définitif, la fixation de la représentation, une fois pour toutes et pour toujours. Notons d'ailleurs que ça n'a pas empêché Marguerite Duras d'adapter plusieurs de ses œuvres, de faire adapter plusieurs de ses œuvres au cinéma et d'aussi adapter des œuvres d'autres personnes au cinéma.
Et c'est d'ailleurs d'autant plus vrai, on en parlait, pour la fiction ou le fantastique, qui tendent à nous donner à découvrir des situations qui n'existent pas dans des univers qui n'existent pas non plus. Et dans ce cas, les contraintes du film, bah donc il faut que ça dure moins de 3 heures, et puis que, par exemple, aussi toute la technologie n'est que le reflet de la technologie de l'époque où est tourné le film. Donc ils vont souvent réduire cet univers et le fixer sur la pellicule d'une manière qui, fatalement, va dénaturer l'œuvre et réduire cet univers. Et donc aujourd'hui, je voulais illustrer le propos avec l'exemple de 1984, le livre de George Orwell. Donc pour ceux qui ne voient pas du tout de ce dont il s'agit, c'est un livre de science-fiction se situant dans l'Angleterre des années 80, donc il a été écrit dans les années 50, donc à l'époque c'était de la science-fiction, où un parti clairement inspiré de l'URSS de Staline contrôle tous les aspects de la vie dans un contexte de guerre perpétuelle. Le héros est un fonctionnaire du nom de Wilson, travaillant au ministère de la vérité et dont le boulot est littéralement de falsifier l'histoire pour coller avec les dernières directives du parti. Et il commence peu à peu à se poser des questions et à remettre en cause sa situation. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas ultra rigolo comme livre. Pour ceux qui veulent résumer les thèmes en détail, il y a la dernière vidéo de la chaîne YouTube de Monsieur Phi qui en décrit certains des enjeux, et je crois que d'ailleurs il compte en faire d'autres. Enfin, il avait déjà fait une avant. Donc c'est un livre qui a plein de thèmes très intéressants, mais je suis à peu près sûr que vous en avez déjà entendu parler. Bah, donc, notamment sur Podcast Science où tu nous en avais lu un passage. Exactement, je vous ai lu un passage dans l'épisode sur les unités, sur l'épisode qui s'appelle Pinte. Il y avait 3 P dans l'épisode, Pinte, Piaf et je me souviens plus. Voilà, donc forcément avec un nom comme ça, il y a eu 2 adaptations en 84, avec une qui a pris du retard du coup qui était en 85, donc l'une en 84 et l'autre en 85. La première fait partie des adaptations, pour le coup, extrêmement fidèles. C'est un film qui s'appelle 1984, par Michael Radford. Et je crois qu'elle a été plutôt bien reçue par la critique et par le public. Je vous avoue ne pas l'avoir vue. Et ce qui est sûr, c'est que l'histoire ne l'a pas retenue dans la catégorie des grandes adaptations cinématographiques indispensables pour un amateur de science-fiction. Et je voulais vous parler de la seconde, qui est sortie en 85, et qui, pour le coup, rentre totalement dans la catégorie des adaptations très très libres, car le réalisateur Terry Gilliam a avoué ne même pas avoir lu le livre avant de réaliser son adaptation. Et donc, il s'agit du film Brasil, sorti en 1985. Il est très très clair que c'est une adaptation. Il s'agit d'un fonctionnaire du parti dans une société totalitaire qui suit grosso modo le même arc narratif que Wilson dans 1984. L'univers décrit n'est pas tout à fait le même, mais les références sont extrêmement claires, les slogans du parti sont proches. Donc pour tous ceux qui ont lu le livre, effectivement, quand vous voyez Brasil, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est une adaptation de 1984. Mais Terry Gilliam n'est pas n'importe qui. Terry Gilliam, c'est un des Monty Python, co-directeur du film Holy Grail, un des maîtres de l'humour absurde. Et en fait, bah, du coup, le film est en grande partie une comédie. Et alors, comment est-ce qu'on fait exactement une comédie sur un thème aussi tragique que la négation d'individus dans une société totalitaire? Et c'est là justement que tout est le génie de cette adaptation, c'est de trouver le potentiel comique résidant dans l'absurdité de 1984. Donc l'univers de 1984, si on y pense vraiment, est rempli d'absurdités à chaque page. Il y a des exemples de collègues du héros qui disparaissent du jour au lendemain et tout le monde fait semblant comme s'ils n'avaient jamais existé. Les slogans du parti sont littéralement « la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force ». Et bien sûr, l'absurde culmine lorsqu'un des personnages explique à Wilson qu'un membre fidèle du parti doit croire que 2 plus 2 égale 5 si le parti en décide ainsi. Et en fait, c'est là où Terry Gilliam a été absolument génial, c'est que bah, il exploite cette absurdité en la poussant juste un tout petit peu plus loin, au point que ça en devient effectivement très drôle en fait. Donc à travers les yeux du héros, nous passons notre temps à nous heurter à des situations absurdes, d'une dictature où tout esprit critique a disparu et où la complexité bureaucratique est délirante. Vous ajoutez un des rôles totalement à contre-pied de De Niro en crypto-plombier venant réparer illégalement les canalisations des gens, et vous avez un film absolument, vraiment très très drôle. Mais vous n'oubliez pas qu'en fait, c'est le film de Gilliam garde quand même l'arc narratif général. Et en fait, il contient aussi des situations qui sont très émouvantes et très difficiles. Et c'est justement, je pense, tout l'art de Terry Gilliam de faire une adaptation géniale, de faire une comédie sur une base aussi dramatique, poussant juste un poil plus loin certains aspects qui étaient déjà présents dans l'œuvre originale, pour en faire un film qui est maintenant culte. C'est marrant parce que moi j'ai vu Brasil, je n'avais jamais fait le lien avec 1984. Pour moi c'était une adaptation de Kafka, tu vois. Ah,
ça marche aussi, oui. Oui, effectivement, ça ressemble au procès. C'est pour montrer en fait que le décalage est tellement grand avec l'œuvre originale que t'es pas obligé d'en faire un lien. Donc, si c'est ça une adaptation, en effet, je peux comprendre que certains soient. si on regarde l'histoire du héros est la même, et en fait, j'ai re-regardé cet après-midi certaines scènes. Les slogans, par exemple, de l'endroit où il travaille est le même. Mm. Donc il y a vraiment, enfin les références sont multiples quoi. Effectivement, il y a tout le côté bureaucratie délirante qui ressemble effectivement à le procès. Alors j'ai pas lu le procès, mais j'ai vu le film d'Orson Welles qui est une adaptation de Kafka et qui est effectivement dans une société totalement délirante de bureaucratie où tout doit être signé en 150 exemplaires. Mmh. Pour ceux qui voient pas, c'est dans les 12 travaux d'Astérix, c'est la maison qui rend fou. Le bureau des renseignements, demandez aux renseignements, ils vous renseigneront. Et on passe à Topo qui va nous recommander un film. Alors encore une fois, c'est vrai qu'on commence à avoir un épisode qui devient assez long, donc je vais pas aller très 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 loin. C'est plus un réalisateur qui a fait pratiquement que deux films, qu'un film en particulier, mais comme la liste de livres de science-fiction me faisait envie et que malheureusement je prends jamais le temps de lire des livres de science-fiction, j'allais vous recommander cette fois-ci des films de science-fiction d'un réalisateur qui s'appelle Shane Carruth et qui a fait deux films, en tout cas deux films de long métrage. Le premier, c'est Primer, sur le voyage dans le temps. C'est un spoiler des 10 premières minutes, mais ça va assez rapidement. Et c'est vraiment un truc qui est fait peut-être avec un budget de $75 ou je sais pas quoi, mais enfin c'est ridicule. Et tout est dans les idées qui sont déployées et les arcs narratifs. Ça va vraiment très 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 loin, justement sur la notion du voyage dans le temps et de ce que ça peut... J'avais l'impression de voir, quand j'ai vu Tenet, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui avait vu Primer et qui s'est dit « Ah, je vais faire la même chose, mais mal ». Donc c'est à peu près l'idée que je m'en dégage. C'est vraiment très 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 compliqué à voir, absolument aucune manière, enfin c'est vraiment aucune aspérité sur laquelle tu peux t'accrocher pour comprendre le film. En fait, le seul moyen vraiment de comprendre ce qui s'est passé, c'est soit de le voir une dizaine de fois jusqu'à vraiment ça y est, je comprends pourquoi il a fait tel ou tel choix le protagoniste, soit de faire comme moi, c'est-à-dire de regarder le film et ensuite éponger divers forums de discussion pour arriver jusqu'au bout de l'histoire. J'avais pas fait ça depuis, Mulholland Drive, dans lequel j'avais à tout prix envie de comprendre ce que je venais de voir. J'allais dire ça, oui, ça ressemble à un film de Lynch classique, quoi. Exactement. tu sens, mais c'est pas un Lynch, tu sais que c'est du surréalisme et donc t'as raté des surcouches. Là, dans Primer, c'est pas ça, c'est que t'as l'impression d'être... En fait, ils ont un vocabulaire de trader, j'avais vraiment l'impression de voir des gens qui faisaient du boursicotage, donc avec un jargon absolument imbitable, mais derrière ça, des notions très intéressantes de voyage dans le temps, avec justement des véritables conséquences des personnes qui veulent s'enrichir grâce au voyage dans le temps. C'est vraiment très très intéressant. Et si je le cite, c'est que c'est peut-être l'un des seuls réalisateurs qui a fait un film sur le parasitisme, mais vraiment bien. Donc c'est pas Parasite le truc qui a gagné l'Oscar, etc. Non, c'est le parasitisme dans ce que ça a pu perturbant sur vraiment... quelle est la conséquence du parasitisme sur leurs hôtes lorsque les hôtes survivent. Et c'est un film qui s'appelle Upstream Color, et c'est très déroutant, parce que pour quelqu'un qui a écrit un livre sur le parasitisme, je me suis souvent demandé ce que ça pouvait faire que d'être d'une chenille parasitée, d'avoir quelque chose qui grandit dans ton corps et puis après qui s'en va. Si tu survis à cette épreuve-là, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un tout petit peu parasite? Est-ce que tu te sens manipulé? Est-ce que tu te sens... Qu'est-ce que ça a comme impact philosophique sur ta propre manière de penser? Donc ça peut vous teaser un tout petit peu le sujet. Par contre, c'est encore une fois imbitable à la première vue. Il faut le regarder plusieurs fois. Et du coup, on va passer à musique.
Alors, il n'y avait pas vraiment de catégorie musique, alors je me suis juste permise d'en rajouter une rapidement. Vous connaissez peut-être, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais il y a un groupe qui s'appelle La Botanique, que j'aime pas que à cause de leur nom, hein. Ils font un peu de la bonne musique quand même. Et donc, c'est des anciens ingénieurs agronomes qui font de la pop végétale, ils appellent ça, avec un peu de rap, un peu de pop, voilà, c'est un beau mélange, c'est surtout des chansons à texte, et du coup, on vous mettra un lien de leur dernier clip, là, qu'ils ont sorti, qui s'appelle Le Syndrome du banlieusard. En ce moment, ils sont en tournée en France, et ils font partie d'un collectif qui s'est monté récemment avec Maxime Labatte, qui est vulgarisateur, entre autres, sur les plantes, le collectif Serre, du côté de Nantes, voilà. Et pour la série événements, ils organisent plein de trucs cool, comme des nuits dans les serres et des découvertes de cabinets de curiosités botaniques. C'est vraiment très chouette. Si vous avez la chance d'être à Nantes avec eux, allez-y. Parfait. Et il nous reste, je crois qu'on arrive doucement à la fin. Non, il nous reste encore exposition avec Topo. Ok, je vais recommander une exposition qui malheureusement va pas durer très très longtemps. Donc c'est surtout pour ceux qui sont en train d'écouter le podcast là, en live, dans la chatroom. Si vous êtes sur Paris et que vous vous baladez près du musée d'Orsay, je ne peux que recommander l'exposition Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. J'aurais bien voulu vous inviter à une visite privée, enfin pas privée, mais une visite en tout cas guidée de cette exposition, puisqu'on en a réalisé une et il en reste deux à réaliser avec Élise, qui est historienne de l'art, et on a proposé au musée d'Orsay, enfin on était sollicité par le musée d'Orsay pour faire un petit parcours d'1h30 qui s'est transformé en 2h. Joanne pourra donner son avis sur comment c'était, puisqu'il a pu assister à la première visite, et dans lequel, en fait, dans cette exposition sur les origines du monde, nous on propose de faire un parcours non exhaustif avec en thématique la notion de portrait, enfin la thématique du portrait, et donc ce qu'on peut savoir sur la portraitisation de la nature. Voilà. Voir cette expo avec Claire la semaine dernière, et effectivement c'était déjà avec la visite en plus avec monsieur et madame Kerner, c'était vraiment très intéressant, donc avec les anecdotes de Topo que vous connaissez, associées au sérieux et aux connaissances de sa femme. Alors non, en vrai il y avait quand même vraiment des trucs assez déroutants en partant des choses assez connues, mais toujours à l'interface entre représentation fidèle scientifique et représentation plus artistique pour représenter quelque chose de beau, et des trucs qui étaient vraiment très déroutants d'animaux représentés quasiment personnellement, en fait, qu'on représentait quelque chose de comme on représentait un humain. Enfin, moi, il y a des tableaux qui m'ont fait penser à des vierges à l'enfant, sauf que c'était des singes, donc il y avait des choses assez déroutantes. Et du coup, si vous avez le temps, et que je ne sais pas quand est-ce qu'on montrera l'expo, mais dans ce cas-là, arrêtez tout, et éteignez votre écouteur de podcast et courez au musée d'Orsay pour la voir avant que Sophie. C'est jusqu'au 18 juillet. Très bien. Et donc on va passer à Eléa, qui a des recommandations, je crois. Oui, moi c'est donc à partir de vendredi de cette semaine, donc le 9 juillet, il y a une tournée qui commence, organisée par l'association Communica Science, pour laquelle je fais 2-3 trucs de temps en temps. Et c'est une tournée des sciences, donc on va se balader avec un camion pour faire des soirées scientifiques avec des chercheurs de partout dans le Grand Est. Donc on vous postera le lien dans les notes d'émission. Il y a 2 dates dans chaque département du Grand Est, donc ça fait 20 dates en tout, et on va dans des villages qui sont pas souvent très pourvus en communication scientifique, donc voilà, si vous connaissez des gens qui habitent dans le coin et qui sont en mal d'activité cet été, surtout dites-leur qu'il y a des choses qui se passent dans le Grand Est. Et j'en profite du coup pour vous rappeler que y a cette plateforme là, EcoScience, qui est disponible dans toutes les régions de France à part en Île-de-France, paradoxalement. Mais voilà, vous pouvez avoir accès à une liste de tous les événements, de tous les articles, de toutes les choses de vulgarisation scientifique possibles et imaginables. Donc n'hésitez pas à vous en servir et à en parler autour de vous si vous aimez consommer des événements de science. Voilà. Et du coup, Topo, je te laisse. Très bien. Alors moi, c'est une autre recommandation cette fois-ci
un peu particulière puisqu'elle est dans le cadre de la Philharmonie de Paris. Donc ils ont un espace d'exposition dans lequel il y a une exposition sublimissime de Salgado, qui est un photographe assez réputé. Pour ceux qui ont peut-être vu certains films, il y a un film de Wim Wenders sur la vie de Salgado qui s'appelle Le sel de la terre et qui est vraiment sublime. Bon, ça arrache les tripes. Là, par contre, c'est quelqu'un qui a documenté le génocide rwandais, qui a documenté l'horreur des mines d'or en Afrique du Sud. Donc vraiment des choses assez saisissante, mais aussi qui est un fantastique photographe de la nature, ce qui est assez paradoxal. De toute façon, il ne fait que des photos en noir et blanc. Et pourtant, là, il propose dans la Philharmonie de Paris une exposition rétrospective sur toutes les photos qu'il a prises en Amazonie. Donc l'exposition s'appelle Amazonia. Et à la fin, je me retrouvais saturé d'images de l'Amazonie. Il y a toute une partie, il y a pour tous les goûts, il y a un peu de la biodiversité, il y a de la météorologie, etc. C'est uniquement des photos, mais qui décrivent aussi des phénomènes qui ont lieu en Amazonie. On se rend compte en fait à quel point c'est un espace incroyable de biodiversité, de phénomènes géologiques, météorologiques, mirifiques. Il y a aussi nécessairement de l'anthropologie qu'on peut faire et de l'ethnologie, puisqu'il y a des populations très séparées du reste de l'humanité qui vivent au sein de l'Amazonie. Moi, j'ai pris une claque monumentale à voir cette exposition. Elle est jusqu'au 31 octobre. Et en plus, je pense que c'est une exposition qui sera itinérante. Donc, ça se trouve, on pourra la voir un tout petit peu dans d'autres villes françaises, voire d'Europe. Donc, courez-y, c'est assez incroyable. Et du coup, moi, je voulais finir par une exposition qu'on peut voir partout dans le monde. Parce que on fait ça, nous, les astronomes. on disait pas encore une fois la dernière fois avec Topo, oui, l'univers, les astrophysiciens, voilà encore. Ouais. Comment ils se la pètent? Le ciel est notre spectacle. Non, mais à fond, quoi. Avec plein d'humilité. Ah, c'est sympa, t'aimes bien la photo? Moi, je suis astronome. Donc, je voulais vous parler de la nuit des étoiles filantes. J'ai participé hier au tournage à l'Observatoire de Paris d'un truc, mais c'est pas forcément ça que je vous conseille. Donc, pourquoi est-ce que là, il y a la nuit des étoiles filantes tous les étés? C'est parce qu'en fait, on a tendance à peu près au même moment, tous les ans, on a tendance à tomber dans la queue de certaines comètes, du coup, qui contiennent beaucoup de grains de poussière, etc., et qui vont rentrer dans l'atmosphère au même moment et qui du coup vont faire augmenter énormément le nombre d'astéroïdes qui tombent sur Terre, enfin de petites comètes et de petits astéroïdes, et du coup vont faire des nuits des étoiles filantes. Et donc cette année, c'est le pic est entre le 14 juillet et le 24 août, avec un pic d'activité dans la nuit du 12 au 13 août. Et là où je voulais quand même vraiment vous en parler, c'est que je pense que si, surtout si vous avez des enfants, je pense que c'est pour moi une des expériences scientifiques les plus mémorables de toute mon enfance, les plus impressionnantes. C'est finalement juste aller se poser avec une couverture, une nuit d'été dans un endroit assez loin d'une ville, dans un champ, et aller regarder le ciel en fait avec une couverture et regarder en fait les étoiles avec juste une paire de jumelles pour regarder la lune. En fait, vous allez effectivement passer une super soirée, et c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas moi, j'ai des souvenirs de plusieurs fois l'avoir fait avec mes parents, et de me rapprocher vraiment de ce qu'est l'univers et la nature autour de nous, et de comprendre notre taille finalement pas très très grande. Donc une très très belle expérience que vous devriez faire tous les étés. Voilà. Et je propose de conclure sur ça et d'envoyer la citation d'Alexa. Je me démute. Voilà, donc la citation que j'ai choisie, comme on a finalement pas mal parlé, bon, c'est vrai, d'espace, de Mars, etc. C'est une citation de Mars la Rouge, donc Red Mars par Kean Stanley Robinson. Et la citation, c'est « Being on Mars will change us in an evolutionary way ». Donc pour traduire ça, on pourrait le traduire comme « Être sur Mars nous changera d'une façon évolutive ». Je suis pas très fan de ma traduction.
Si, ça me paraît bien. Changera notre évolution. Oui, changera notre évolution, naturellement, on pourrait dire, ou biologiquement. Et c'est une phrase qui est dite dans le roman par Sax Russell, qui est un peu le biologiste un peu extrême de la, du roman. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec, et c'est avec dans la nos recommandations. Première, moitié du roman, parce que je l'ai lu. Oui, voilà. Très bien. Et ben donc nous allons conclure cette très très longue épisode. Joanne. J'ai oublié le quiz. Non mais on a compris que tu voulais finir l'épisode, c'est bon hein. C'est assez systématiquement sur Elia quand même hein, je peux le dire. Pardon. Qu'est-ce j'ai que oublié. J'ai fait oui, alors le quiz, nous n'avons pas eu de quiz depuis un moment, et donc le futur quiz du moment, vous avez tout l'été pour y réfléchir, permettra de répondre à cette question capitale de la vie domestique. Tous les ingrédients doivent être à température ambiante pour réussir la mayonnaise, info ou intox, et je veux qu'on s'attaque à cette question parce que j'en ai marre d'entendre des bêtises sur la mayonnaise, voilà. Donc ce sera la mission de l'été. Si vous avez des théories, des expériences à faire, que vous voulez tester la température de vos œufs avant de faire vos mayonnaises estivales, n'hésitez pas à nous envoyer les résultats. Et j'en profite, comme vous avez un peu de temps cet été, hein, pour vous dire que bientôt sur les réseaux sociaux circulera un petit questionnaire annuel pour vous demander ce que vous avez pensé de la saison 11, et du coup... vous pourrez remplir tout ça et nous dire qu'est-ce que vous voudriez pour la prochaine saison. Voilà. On peut remercier quand même c'est Lutine sur le chat qui nous avait soumis ce quiz, donc cette thématique de quiz. Et on remercie tous les autres gens qui nous ont envoyé des idées de quiz, mais ne vous inquiétez pas, un jour, nous répondrons à toutes les questions de la vie, de l'univers et tout le reste. Sauf si ça parle de la Lune, on arrêtera là parce que vous en avez trop envoyé. On a trop fait. C'est fini. C'est fini. C'est bon, tu peux faire la conclusion, Joanne. Et non, bah, je voulais un tout petit peu dire oui, effectivement, sur le quiz, que bah, n'hésitez pas à nous écrire. On cherche à s'améliorer. Et si vous avez des idées de choses que vous voudriez faire ou de choses qu'on fait pas bien ou des choses qu'on... voilà, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous permettra de nous améliorer et on attend que ça. Je recommence la conclusion. Donc ça y est, c'est fini. Vous pouvez retrouver notre liste de recommandations dont on a parlé aujourd'hui sur notre site, podcastscience.fm, sur nos réseaux sociaux ou dans notre newsletter. N'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. On se retrouve, passez de très bonnes vacances au soleil, réécoutez nos anciens épisodes, allez écouter nos recommandations. On se retrouve en septembre à la rentrée. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.